Yes, vas-y. Bonsoir à tous, nous sommes en live. Bonsoir. Coucou. Je sais, c'est pour ça que j'ai lancé. Donc, je vais juste faire la présentation. Regardez en fait un cher ami Humine là, en haut à droite, qui va devenir de plus en plus rouge alors qu'il est en train de lire ses notes. T'as à peu près 2 minutes, hein. Je vais présenter tout le monde et après c'est à toi. Mes notes, c'est bon, je me souviens. Ah bon, t'es sûr? Non. Ok. Je pourrais. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord pour noter collectivement la 5 son résumé? Ok. Du coup, donc, on va commencer rapidement par refaire le tour de nos héros que maintenant vous connaissez. Elédril, alias Gupil, notre magicien. Bonsoir. Scribe. Salut. Humine, notre artificier. Fraul, notre barbare. Sheratan et Ova. Donc paladin et druide respectivement. Et j'ai oublié les pseudos de tout le monde. Baron pour du coup Humine, Fraul Dynamitre, Sheratan Persiscas, Ova Ulysse. Sur ce, vas-y Humine, fais-nous ton petit. Je me souviens de tout, d'accord. Papy, je trompe jamais. Si je trompe, c'est que vous avez tort. Papy, il est frise. Exactement. Instantanément. Papy, il est frise. Bon, alors, la dernière fois, on avait repris, j'avais eu une super idée, j'avais eu l'idée d'un sac en bois. Oui, c'est une idée à la con, je sais, un sac en bois. Mais un sac en bois dans lequel tu peux foutre tout ce que tu veux dedans, du moment que c'est pas trop lourd ou trop perçant. Mais c'était une super idée. Ensuite, on était parti vers Alderaan. Bon, comme d'hab, on s'est fait enculer sur la route, mais ça, c'est habituel maintenant. Il y a eu quoi? Il y a eu des incendies, des trucs de feu qui font boum. Il n'y a pas eu des bandits? Il y a eu des bandits, je crois. Je sais plus jamais, hein. Peut-être bien que non. Bref, on est arrivé devant un grand arbre de merde aussi. Et je vous ai dit que mon petit gars, il commençait à parler à son bouquin. Ce con. Bon, il parle à son bouquin, mais il a rendu sentient, donc je suppose que c'est une bonne chose. Enfin bref, il y a eu tout ça, on a fait le chemin, ouais, on est arrivé au grand arbre, hein. Racines toutes pourries, les branches c'est pas beaucoup mieux, c'est juste plus doré. Oui, c'est mon résumé, je vous emmerde. Sur ce, moi je mettrais un 2 sur 10. Moi, j'ai envie de dire que c'est un peu une description de notre groupe. Hein. Humine, c'est une branche toute pourrie, et Sheratan, c'est pareil, mais plus doré. Waouh. Waouh. Juste waouh. Bien. Sur ce, vous arrivez du coup devant Alderaan, mais avant même d'être arrivé à Alderaan, c'était une sorte de bidonville accueillant des personnes que vous ne pouvez qualifier que comme des réfugiés, ou en tout cas des personnes très pauvres, s'étant déplacées vers Alderaan, sûrement à la hâte, en emportant le strict minimum. Ce, appelons-le bidonville, s'étend sur des mètres et des mètres et des mètres, tout autour d'Alderaan, tout autour des racines, créant comme une sorte de banlieue, avant même l'entrée. Alors que vous vous approchez de l'entrée est qui est de plus en plus chargée, avec de plus en plus de foule, et que vous avez du mal à passer, vous voyez la garde du perchoir qui est en train de filtrer la population. Et ils ont l'air de laisser passer quand même encore la majorité des gens, mais ont l'œil aux aguets. Les yeux aux aguets. Vous avancez avec votre charrette. Et jusqu'au moment où vous n'arrivez plus à avancer tellement il y a de monde, et il vous faudra facilement 1 heure avant de pouvoir enfin arriver devant les gardes. Le premier garde que vous croisez et qui vous arrête est un grand servan, habillé de l'armure classique juste d'un soldat de l'arbre, avec justement une sorte de d'arbres avec des ailes sur son plastron.
Vous venez pourquoi? On vient de la part du magistrat Crane. Puis je montre mon symbole de d'officier. Ok. Mais la charrette doit rentrer aussi? De préférence. Pour le coup, vous voyez Elisa qui se rapproche du garde et qui fait « Je viens reprendre l'enseigne de ma sœur. C'est pour ça, c'est juste toutes mes affaires. Il faudrait m'aider et si possible préparer quelques ascenseurs pour nous emmener. Les ascenseurs tournent, débrouillez-vous. Hein. Là, ça peut pas être de notre ressort. On a... Et il regarde derrière vous, on a affaire. » Shratan, oui. La lettre. Tu l'as? Oui, absolument. Autant en profiter. Et je vais sortir la lettre donnée par le magistrat. Avec le sceau pour bien montrer qu'on est... Et pareil, symbole de chevalier apparent. Ok. Je veux dire, si... C'est une lettre avec un sceau officiel, je suppose. Vous pouvez directement monter et la présenter au sur Mao Talons qui s'occupe de l'entrée au conseil. C'est eux qui ont la responsabilité de regarder cette demande, voir si c'est officiel, si ça passe, etc. Nous, avec ça, on peut vous laisser rentrer, mais ouais. Ça ira pas bien plus loin. Et en ce qui concerne le logement, ça risque d'être compliqué, je tiens à vous prévenir. Si vous êtes des voyageurs, vous aurez sûrement intérêt à repartir vite. On trouvera une solution. Ne vous inquiétez pas pour ça. D'ailleurs, merci l'ami et bon courage pour la suite. Et je vais lui serrer la main s'il veut bien. Yep. Et quand j'enlève ma main, il a une pièce d'or dans sa main. Il a accepté un pacte démoniaque avec Shratan. Let's go. Ok. Tu vois qu'il regarde la pièce assez attentivement. Ok. Merci, je suppose. Il y a la tête merci de Gubil qui passe moi par l'entrebâillement du chariot bâché. Qu'est-ce qui se passe ici en fait? Pourquoi il y a un bidonville là partout? De ce que j'ai compris, je suis pas le mieux au courant, mais. Il y a des réfugiés d'Ashbaro, il y a des gars qui viennent d'un peu partout, des petits bleds. Ouais, c'est la merde. Ils essayent de rentrer parce que. Voilà. Vous êtes au courant qu'il y a des brigands avec votre armure qui attaquent les gens sur la route? Ça s'est passé par vous? Ah ouais, c'est les enfoirés de la coalition, ouais, on est au courant. Ouais. Maintenant, en tout cas. J'ai ramené de l'équipement un peu. Je pointe les gens. Je pointe légèrement, il y a une armure et quelques armes. Passer à la caserne, ils seront sûrement ravis de pouvoir les prendre. Bien évidemment. Ça me permettra de revoir les copains. On ira après avoir parlé au conseil, ça te va? Oui, ça me va. Parfait. Parce que le conseil, c'est... Enfin, ça si, on a du temps. Ouais, après le conseil. Si ça vous dérange pas, et je vais vous mettre maintenant sur la carte d'Aldor. Oh, la jolie map. En ce qui me concerne, j'ai besoin d'aller assez haut. J'ai besoin d'aller au marché de la canopée. Donc, il faudra qu'on prenne plusieurs élévateurs, etc. C'est pas très très loin. C'est sur le chemin pour la place du conseil. Oui, t'inquiète pas. Dans tous les cas, il faut qu'on aille au conseil. Donc, conseil, c'est tout en haut. Ok. Enfin, c'est je manierai la charrette si les autres veulent passer devant pour aller donner au moins la lettre. Hein. Parce qu'ils seront peut-être un peu plus rapides que nous, juste avec la charrette. Les gardes vous ont laissé passer. Vous continuez à avancer, du coup, en même temps que vous avez cette discussion. Et vous arrivez assez rapidement au Bright Hollows, aussi appelé pour ceux qui viennent d'ici le quartier des temples. Ok. Et je vais faire ça
et vous allez pouvoir zoomer dessus. Mignon. Alors, c'est bien ça, c'est bien celle-là que j'ai mise. Non, c'est pas la bonne. Je suis désolé. Mais c'est très joli. C'est charmant par contre. Ouais, c'est très très beau. Mais... Ah, c'est les bouts que j'ai mis. Okay. Ouais. Voilà. Magnifique. Oh. D'ailleurs, cher MJ, j'aimerais bien, sur tout le chemin qu'on va faire, pas spécialement en rôle pour, mais dire que je fais attention si jamais on croise un cabache ou des cabaches. Ok. Okay. Vu qu'on est dans une grande ville. Je tiens au courant, et pour l'instant, pas de cabache. La seule différence par rapport à l'image, c'est que c'est blindé. Et vous voyez que tous ces bâtiments en dessous des branches sont des temples qui sont autour de cette fontaine. Et vous voyez qu'il y a un temple par Dieu qui est représenté. Il y a un temple à Crène. 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 Bien qu'il soit rebuté, il n'en reste pas moins un dieu. Et il a du coup son temple. Vous voyez que c'est celui qui est quand même le moins utilisé. Dans le sens où vous voyez que les gens ont tendance à l'éviter. Et ce que vous remarquez par contre énormément, c'est que il y a déjà des campements de fortune devant chacun des temples. Et vous vous rendez compte qu'il y a un gros fourmillement au niveau des temples. On voit des gens qui rentrent dans le temple de Crane ? Tu vois des gens qui en sortent ou qui en rentrent et qui ont l'air d'être des réfugiés, comme vous avez vu à l'entrée. Vous voyez que la plupart des gens qui en rentrent et qui en sortent de n'importe quel temple ont l'air d'être des réfugiés. La place est bondée. Il y a vraiment très très peu d'espace. C'est vraiment comme une fourmilière, vraiment très 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 empaquetée. Continuez à avancer et vous vous dirigez vers un coin qui a toujours été très animé, mais qui est encore plus campé que d'habitude. Le marché du tronc. Vous voyez ces échoppes, ces petites lumières partout. Ça vend de tout. Mais vous voyez que la plupart des magasins les plus recherchés sont les premiers biens. Les biens nécessaires, la nourriture. Viande, pain, toutes les denrées pour faire vivre une personne. Et vous voyez qu'il y a énormément de mouvements. Et il y a aussi énormément de gardes du perchoir au Trunk Market. Et vous voyez que, alors que vous montez, il y a des échauffourées un peu partout et que les gardes s'empressent immédiatement de calmer pour éviter des effets de foule. C'est bien le bordel. Encore plus que d'habitude même. Ouais. Pour le souvenir que ce soit ça. On devrait se dépêcher d'aller au conseil avant que quelqu'un foute le feu. Pour ça que je déteste cette place, il y a trop de gens ici. Je déteste les gens tout court, moi. J'espère que ce quelqu'un, ce sera pas toi, Gupil. Je suis pas assez puissant pour mettre le feu à Alderheart. Pour l'instant. Il faut plus de la patience que de la puissance, mais oui, bref. Je pense que... Ça dépend, si tu veux mettre le feu assez vite pour pas te faire arrêter par les gardes avant que ça brûle bien, il faut un certain degré de puissance. Quand tu commences à parler, je te regarde. Me demande pas comment, je le sais. Pas quand vous commencez à parler de brûler Alderheart, tout simplement. Tu sais, Gupil, le crime, c'est mal. Oui, Sheratan, le crime, choper. C'est mal. Je vais lui faire un clin d'œil, là. C'est vraiment un clin d'œil de débile de Gupil. Les enfants, le crime, c'est mal. Mais dans sa tête, c'est discret et cool, tu vas te faire ça. Le crime, c'est mal. Vol, carrément pickpocket, fraude. Mon dieu. Continuez à monter. Et à partir de là, le tronc, en fait, devient de plus en plus espacé. Vous voyez qu'il s'élargit, qu'il y a de plus en plus de branches. Et du coup, pour pouvoir accéder maintenant aux étages supérieurs, vous êtes obligé de vous diriger vers, comme vous le voyez un petit peu partout, ces sortes d'ascenseurs, ces grandes grues. Ok.
qui vous permettent, du coup, alors que vous passez, arrêtez la charrette dessus, commencez à monter dans le vide tout en tournant. Pas beaucoup de rambarbe, même s'il y en a. Prends-en un peu la graine, mine. Ça, c'est de l'ingénierie de haute volée. T'as peur, Elisa ? Elisa regarde et tu la vois qui est sincèrement cramponnée à son tabouret. Si t'as peur, tiens-toi à moi. Si moi je tombe, je... Non, mais on va pas tomber. On va pas tomber. Hein, j'ai trop d'affaires là pour qu'on tombe. On va pas tomber. C'est bien entretenu, c'est révisé souvent. Si jamais tu tombes, Elisa, je pourrais te lancer un missile magique pour pas que t'aies le temps de voir la chute. Mais je vais pas tomber. Je vais pas tomber. On va pas tomber. Tout va bien. Tout va bien. Je te regarde. Tu n'allais pas tomber. Ces vieux ascenseurs, y rates-tu jamais qu'une fois sur 100? Oui. Seulement une fois sur 100. Une fois sur 100, c'est énorme. Je suis jamais tombé dans tout mon séjour à Alderheart. Ça devrait aller. Puis une fois sur 100, c'est pas beaucoup dans la majorité des cas. Je les ai jamais utilisés. Ne vous inquiétez pas, je ne suis jamais tombé à Aldorf non plus. Plus frôle. Même dans un escalier. Donc techniquement, ça n'a jamais cassé pour moi. C'est la première fois que je viens. Ah. Ah bah, je suppose qu'il y a un début à tout. J'ai un début pour que les ascenseurs cassent. Par exemple. Mais vous vaudrait mieux éviter de parler de ça, ça va stresser Elisa, Humine. Je vous prierai d'arrêter, s'il vous plaît. L'ascension se finit et vous arrivez du coup au Canopy Market qui lui a le droit à une map puisque je n'avais pas autre chose. Oh waouh! Waouh! Oh, c'est super dangereux! Wow. La tête de Iboula trop stylée. Yes. Vous voyez en effet cette sorte de tête gravé dans l'arbre à travers lequel passe le soleil qui a l'air du coup de regarder. Et vous voyez que cette effigie est celle de Titon. Titon, Dieu de la nuit. Que j'allais voir sa gueule. Le père de la nuit. Père de la nuit. Le père de la nuit. Yeah. Un des... Ok. Ah oui, oui. Okay. Des deux dieux majeurs. Oui, c'est ça. Ouais. Ce marché... Bien que moins peuplé par du Humblefolk que par du Birdfolk, et pareil, très encombré, beaucoup moins crampé, beaucoup moins claustrophobique que le Trunk Market, dans le sens où ici il est ouvert à plein ciel. Et Elisa vous dirige assez rapidement vers ce bâtiment rond. J'ai une question de mon côté. Oui. Que je m'en rappelle plus. C'est où que ma mère est située? Dans c'est les ici branches, c'est... ça sera par là. Non, ici, c'est vraiment un marché. Ah et oui, les non. Branches, que... c'est les habitations qui sont du coup sur les extérieurs. Donc là, okay. Ça serait genre une entrée pour aller aux branches par là, une entrée pour aller aux branches par là, une entrée pour aller aux branches par là. On n'a pas. Ah oui, j'allais dire, on n'a pas tes flèches. Mais... Elle habite juste ici. Exactement. Non, c'est quand même beaucoup plus loin. Il y a une petite trappe dans l'arbre. Sur ce, du coup, donc vous arrivez vers ce... Ça reste un beau bâtiment, un grand bâtiment. Et c'est un des bâtiments en dur, alors que vous voyez que tout le reste est globalement fait en tente. Ça a l'air d'être des échoppes qui ont l'air de tourner. Et il n'y a que quelques échoppes qui ont l'air d'être faites en dur. Elisa, du coup, s'amène ici et... De loin, vous aviez vu cette échoppe en dur. Et alors que vous vous approchez, vous voyez qu'il y a des marques de brûlure sur l'entrée. Le toit a l'air d'avoir pris feu, il y a des trous dedans. Et elle va vous ouvrir. Bienvenue dans... Ah bah, je vais l'appeler mon emporium. Hein. L'emporium d'Elisa. Ton quoi ? Oh. Emporium. Emporium. C'est le nom qu'avait donné ma sœur. C'est quoi un... C'est quoi un... Emporium. Emporium. Mon magasin. Mon magasin.
Attends, quoi ? C'est un mot entier, emporium, en beaucoup de lettres. Elisa ? Un magasin. Très bien. Mmh. Voilà. Est-ce que je dois comprendre qu'on... On devrait te souhaiter nos condoléances ? Elle a disparu. Ça serait une bonne compétition. Il reste un espoir. Toutes mes condoléances, alors je suis désolé. Non, elle a disparu. Toutes mes condoléances, je suis désolé. Elle s'est peut-être juste perdue entre deux branches, hein. Il y a beaucoup d'arbres par ici. Vous voyez, du coup, qu'elle ouvre la porte, et à l'intérieur, non pas représenté comme sur cette map, c'est le bordel. Beaucoup de fournitures cassées, des meubles, des caisses renversées. Vous voyez que ça a en effet brûlé à l'intérieur. Je sais pas c'est quoi là. Et vous voyez Lisa qui du coup juste tourne vers vous. Merci pour tout. Et bien si vous voulez faire des emplettes, donnez-moi quelques jours le temps que je remette tout ça en ordre. Et comme promis. Et elle vous donne un sac de 200 pièces d'or. Littéralement, ce ne sont pas 200 pièces d'or. Vous voyez qu'à l'intérieur, ce sont des lingots qui font 50 pièces d'or. C'est un petit sac, du coup. C'est chiant, parce que du coup, c'est 40 chacun. On dira faire de la monnaie. Elisa, si jamais tu veux, après qu'on ait fini avec le conseil... je veux pas parler pour le groupe, mais je peux pas t'aider à ranger un peu. C'est quelque chose que je veux faire moi-même, si ça vous dérange pas. Pas de soucis. Je garde la charrette, mais si vous voulez partir avec, elle est à vous. Évidemment. C'est sympathique. Pour le moment, on n'en aura pas besoin. Ça peut te permettre d'avoir un endroit pour garder tes affaires pour le moment. Je vais tout décharger, mais la charrette reste à vous. Les au revoir sont très rapides, mais je crains que nous devions nous dépêcher pour aller voir le conseil, au moins essayer d'avoir l'alliance le plus tôt possible. Il va commencer à être tard, j'espère que vous aurez même une audition tardive. Justement, essayons. Ou au pire, demain, mais au moins qu'ils aient la lettre. Qu'ils soient prévenus, oui. Je sais qu'ils ont beaucoup de travail, mais... Ça devrait le faire si au moins ils ont la lettre. Ce sont des gens très bien, des très gentils. Vous les connaissez ? Oui. Ce sont des connaissances de connaissances. Et vous ? Puis je me tourne vers Humine et Gupil. Vous les connaissez ? Ils sont très gentils. C'est les meilleures personnes que je connaisse ici. On doit répondre quoi, maître ? Ça, c'est Ova. Hoche la tête. Ouais. Normalement, faut s'arrêter de hocher la tête. Non, faut pas s'arrêter tant qu'il a pas compris. Ok. C'est moi vous... qui... Oui. Plus vous hochez, plus c'est louche. Sur ce... Bon courage, Elisa. Je vais m'approcher d'Ova. Ova, à partir de quand on sait que ça devient louche ? À partir de la deuxième. Ok, merci. Et plus vous en ajoutez, plus c'est louche. Ok, j'en ferai plus que deux à partir de maintenant, merci. Du coup, je vais montrer mes frôles, j'en fais un deux de plus. Non, moi, je reste à ma règle des 47. 47, ça t'éloigne toutes les personnes de ta vie. Et du coup, c'est qui votre... Et puis du coup, en me retournant... Au revoir, Elisa. À plus. Du coup, c'est que votre préféré. Merci. N'hésitez pas à passer si vous avez besoin de quoi que ce soit. À bientôt. Si jamais j'ai des prototypes à vous vendre, je repasserai. J'ai hâte. Bref. Oh, boulot. Sur ce, on retourne sur la map d'Alderaard. Espérons qu'il retrouve sa sœur. C'est petit. Espérons qu'elle la retrouve en vie, oui.
Ah non, non, c'est très sérieux, on rigole pas avec la famille. Ça dépend surtout en combien de morceaux il la retrouve, en fait. Bref, allons-y. Et du coup, c'est lequel votre conseiller préféré ou conseillère préférée? Celui qui porte une grande robe. Numéro. C'est mon celui préféré. Avec les plumes. Sheratan, tu connais au moins leur nom. Je vais te les donner. Merci. Attention, je te les balance en une traite. T'as intérêt d'être au taquet. Ok. Non, faut que je sois aussi au taquet. T'inquiète, je suis au taquet aussi sur les maps. Porte-parole Bita, Harlock Quartz, Yorn Yarrow, Kaja Hannington et Ophelia Sprigg. Je dirais que j'apprécie Harlock. 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 Oh, oh ouais, il est gentil. Oh, ça tombe bien, vu. C'est un Strige. Ouais. Et du coup, c'est... C'est pas un cerveau. Oh. T'étais pas loin. Yes. J'ai failli me faire avoir. j'en ai eu 3 sur les 5 ou 4. Ouais, moi aussi. J'en ai entendu que 3. Non, j'en ai entendu que 3, moi, en fait. Tant pis, hein. on va le voir dans pas longtemps, on saura. Attends, il y a Bita, Kaja Hannington, Ophelia Spring, et du coup, il y a un Orlok aussi. Ouais, il y a un Orlok. Ophelia Spring, c'est la dernière, ouais. Ophelia Spring, ouais. Okay. C'est la dernière. Je crois qu'il y en a deux entre les deux, non? Il y a Orlok, il y en a pas un autre, il y en a pas un cinquième. Bita, Kaja Hannington, Ophelia Spring, Orlok. Non, si je me souviens bien, il y en a que 4. Ok. Mais je suis pas sûr, ça se trouve, on va arriver, il va y en avoir un cinquième, j'ai trop mal. On va arriver, il y en aura 9, on va pas comprendre si tu veux. On va le pointer du doigt en gueulant, c'est l'imposteur. Il y en a pas 8 à la base? C'est juste qu'on a marqué Ophelia Sprigg, mais en fait c'est Ophelia et Sprigg. Ah non, mais à chaque fois c'est deux noms. C'est ça, hein. il me semble, chez AMJ, qu'il y en a 8. Non, il n'y en a pas un par race, justement. Moi, dans l'heure que j'ai vu, il y en a 6. J'ai cru. Bon, dites-toi, c'est des chiffres différents, mettons-nous d'accord. Moi, j'ai l'histoire et je t'enverrai un MP, tu sauras combien ils sont. Yes. Oh, en vrai, je peux t'en faire aussi, en soi. Je suis aussi en envoyé un parce que, quand même, j'ai peut-être peu grandi à Eldorart. 24 Ova avec des avantages. Vas-y, je suis chaud. Ça me bat. J'ai fait un 14. 14 ? J'ai fait un 24. 11. Okay. Tain, c'est dommage, le premier était vraiment bien. Ouais, c'est dommage. Oh, l'autre, tac, il est gentil. Qui est sur le Au moins le nombre. Pas forcément les noms. Tu m'as dit combien, Ova, t'as fait ? 11. Nope. Bah, ils sont 11 pour toi. J'ai pas assez bien regardé mes cours de géopolitique. Merci. Voilà. Sphinx. Ouais, c'est le nom du sixième. C'est un grand papillon. Papy Sphinx. C'est une espèce de grand mythe. Que c'est un? Non, j'ai un problème avec... Ah, ça y est. Vespa ? J'ai un petit problème avec Discord qui m'avait fait de le gros serveur inattendu. Ok. C'est le patron de mon héros, là. Ouais, ça me botterait beaucoup dans un tas de papillons géants. Sur ce, il y a un truc que je vais faire, déjà. C'est vous autoriser aussi ceci. Ah, voilà, c'est... Ah. Merci. Il y a absolument tout. Il y a juste un truc qui n'a pas été mis. C'est dans les boats, il y a aussi la caserne. Ok. Et est-ce que, quand j'avais discuté avec les tenders, globalement, il m'avait dit où est-ce que c'était. Je me souviens qu'il ne m'avait pas dit où c'était. Il m'avait juste dit que c'était Alderheart. Mais est-ce que... Non, du coup, je ne sais pas du tout. Je poserai la question, c'est parfait. Vous êtes passé assez rapidement, il y a énormément de monde. Si tu ne demandes pas, tu n'auras pas l'information. D'ailleurs, je tiens à dire que j'aurais noté l'emplacement des temples, du coup, de Rhea et de Af. C'est assez facile, du coup, ils sont assez proches et ils sont tous, du coup, dans les Bright Hollows. Sur ce, du coup, vous continuez votre montée, déchargée, du coup, du chariot. Vous avez plus de facilité à vous déplacer.
Et vous allez arriver assez facilement en montant à travers des branches par de grands escaliers, ce qui va être très long. Et ce qui fait que faire une demande au conseil, vous vous rendez compte que ça commence à être important parce qu'il faut se taper les marches. Voici ce que vous voyez alors que vous approchez de l'entrée du conseil. Vous voyez cette grande allée bordée de deux statues. Une d'Ardéa sur la gauche et l'autre de Titon à droite. Et vous vous approchez de ce palais. On ne peut pas vraiment le décrire différemment. Finement orné. Et vous voyez que tout ça a l'air d'être naturel, comme fait pousser à travers l'arbre. Ou alors ils ont forcé l'arbre à pousser autour et à former la structure. Il y a un pénis à gauche. Gupil, ton esprit est malade. Oui, l'esprit de Gupil est profondément malade. C'est vrai que c'est assez impressionnant ici. Je pense que l'esprit de Gupil est aussi profondément malade. Vous avancez, du coup, vous allez vous présenter. Et Sheratan et Ova, deux figures familières, se tiennent à l'entrée du conseil. L'une est Béléni. L'autre, j'ai perdu son nom, M. Mézartim. Mézartim, merci. Yes. Qu'est-ce qui fait chier avec ce nom aussi? Et vous les voyez tous les deux, du coup, en train de parler rapidement. Et genre, ils se tournent. On regarde. Je cours vers lui. Tu vois Benelli juste qui juste réagit au dernier moment et. C'est vraiment toi, Ova? Bah, oui. Ok. Pourquoi t'es pas à la maison? J'en ai profité pour partir quand t'es parti pour un peu. Voir et essayer d'aider à la maison, c'était très claustrophobe, j'imagine. J'ai pris ton épée, j'espère. Tu m'en voudras pas? Si, un peu, parce qu'elle était censée rester à la maison. Et ben maintenant, elle est avec moi. Tu vois qu'il la regarde. Attends deux secondes, elle est... Pourquoi elle est bréchée, il y a du sang dessus? Les aventures nous ont menés vers des endroits plus... J'ai essayé de la nettoyer le plus possible. Ouais, j'espère, ouais. Mais si t'as envie de te battre, je dois t'assurer quelque chose. Normalement, on prend soin de son équipement. Ah, Surtout quand c'est même pas le sien. C'est ce que j'ai essayé de lui dire. Et je commence à m'approcher aussi. Yep. Enfin, je s'approche tous petit à petit. Mais... Tu vois, du coup, donc, Mézartim. La sœur de Sheratan, qui juste se tourne. Et alors toi aussi, on se demande bien ce que tu fous à l'extérieur. T'as pas un boulot à faire ici par hasard? J'en ai plusieurs des boulots. Ouais. On va en reparler aussi. Salut. Je pense que les vieux seront ravis de savoir que tu t'es barré. Bonjour. T'es un vieux. Ouais, alors, c'est qui, eux? Lumine, t'es ravi qu'il soit parti? Non, il me fait chier depuis que je l'ai rencontré. Il est gentil, Sheratan, il dit que le crime, c'est pas bien. Je pense que tout le monde a un grand sourire sur les lèvres à ce moment-là. Non, pas Frôle. Frôle, il la caisse, le crime, c'est pas bien. Et je vais jeter un petit regard complice à Béléni et rire. Donc, le grand, là... Tu vois que Benelli, lui, a l'air peut-être plus gêné. Autre chose. il a pas souri, il a juste, genre, tourné la tête. Du coup, pour les présenter un peu plus, donc, Benelli, grand mapache, je vais te laisser quand même Ova, au cas où. Il est brun foncé, même. Et il a une grande tunique, en bleu et en doré.
avec du coup une grande cape et l'insigne des chevaliers sur son épaule, de manière très sensible. Et il a eu un cimeterre et une rapière à la main. Et une petite flûte aussi, yep, à côté de sa rapière. Et du coup, Sheratan, Mesartim ? Mesartim, c'est vraiment Sheratan, avec 5 cm de moins, moins de bijoux, et habillé différemment. Mais physiquement, c'est Sheratan. Et c'est assez troublant, justement, qu'il y a, il y a vraiment une grosse ressemblance, et j'imagine qu'elle doit juste avoir une tenue d'apprenti Talon, donc garde du conseil. Avec... Les tenues d'apprenti ou pas sont, oui, des équipements qui leur sont propres, puisque vous arrivez maintenant vers ce qui sont des gardes spécialisés. Et vous voyez qu'ils ont leur propre équipement, ils n'ont pas de tenue standard, si ce n'est juste un collier ou un écusson, représentant une serre, avec trois, et rouge. Dans ce cas, elle doit sûrement avoir des armes et même une tenue aux couleurs, couleurs des hashtags, avec sûrement un petit symbole d'un bal quelque part. Et, Et là, en effet, à la ceinture, tu dois pendouiller une petite statue. Je le connais, ce symbole. Je suis en train d'apprendre un abruti à le tailler. Donc, pour les présentations, le grand, là, c'est Frôl, officier Frôl de la garde. Et du coup, toi aussi, tu descends des étoiles quand lui, puis je prends Sheratan. Oh, mais moi, je ne descends pas des étoiles, je suis une étoile. Un peu de respect. Un peu de respect, Frôl. Comment, Sheratan, explique-moi. Et je t'explique après, Frôl, t'inquiète. Ça va aller. Oui, c'est pas normal. T'inquiète, il t'explique après, il t'explique après. Puis je commence à être... Regard paniqué vers Humine. Le vieux... Après, c'est trop marrant. Professeur à l'académie. Alors, c'est un de mes métiers, oui. Le petit... académicien. Salut. D'ailleurs, essaye quand t'as un peu de temps de contacter Deneb et Al-Ghedi, parce que... à l'académie, ça a l'air d'être... particulier. J'ai pas eu de nouvelles d'eux, je suppose qu'ils font ce qu'il faut. Pour le professeur, vous ferez attention, il est plus coucou que Corvum. Alors du coup, le professeur, il va se présenter tout seul. Hein. Je me présente, Humine, Cupil, je tends la main vers Cupil. Salut. Vous voyez quand même qu'ils ne se sont pas approchés, ils sont restés du coup à l'entrée, et bien qu'ils parlent de manière, avec un ton du coup assez léger, ils sont toujours tendus. Et... prêt à sortir les armes si besoin. Donc, comme votre frère jumeau, je suppose, par la ressemblance. C'est vrai que vous ressemblez beaucoup. Oh non, je suis l'aîné, moi. Ouais, comme le petit con l'a dit, je suis professeur. Mesa, je suis l'aîné. Ouais. 3 ans de plus. Ouais, il paraît, ouais. Mine. Tu sais, je... Je comprends, ça doit pas être facile d'être l'enfant doré de la famille des Hashtag, mais... Non, mais disons qu'il y en a qui ont des ambitions, et puis d'autres qui font juste chevalier. Oh, il n'est pas que chevalier, Sheratan, il cumule. Ah oui, ça, il cumule, oui. Les parents sont ravis qu'il cumule. Cumule les emmerdes. Ils en ont l'air par le temps de votre voix. Non, mais t'inquiète, hein. C'est cumuler les emmerdes qui lui a appris à compter aussi bien qu'il le fait maintenant. T'inquiète pas, Frôl. Probable. Cupil, tu veux m'aider? Les retrouvailles sont géniales, il faut le dire, mais nous avons un message à transmettre d'urgence au conseil. Je n'ose pas vous occuper, m'aider. Et je vais étendre la lettre. Au revoir. C'est Benelli qui l'apprend, qui regarde le symbole. T'as fait le trajet de Brackenmill jusqu'à Winnowing Reach. Tu sais que je n'aime pas faire dans la demi-mesure. Ça t'est pas venu à l'idée de prévenir Mère à un moment? J'ai préféré que non. Ova et Mère? Oh. Je suis toujours ravi d'apprendre que je suis en compagnie de deux fugueurs. La duchesse le sait déjà probablement.
Mais vous avez dit que vous... Attends, non, est-ce qu'on était là quand on avait lu... Si, oui, on était là quand on a vu l'histoire avec la duchesse. Ouais. Vous avez dit que vous connaissiez pas de duchesse. Je t'ai jamais dit ça. J'ai dit que je ne travaillais pas pour une duchesse. Bien évidemment que j'en connais des... Ah bon ? Bonne petite dizaine. Ça, c'est Benelli qui se tourne vers toi. Ah bon, tu travailles pas pour la duchesse. Pas vraiment, je suis pas rémunéré. Ah, c'est du travail au noir, d'accord. Promis, je dirai rien. Ah, c'est un stagiaire, c'est pas pareil. Travail au noir, faut arrêter quelqu'un. C'est peut-être pas le meilleur endroit pour en parler, cependant. Je me tournais vers Humine. Il y a une différence entre un stagiaire et du travail au noir. Non, c'est légal. C'était le travail au noir ou noir qui t'a fait te relever, frôle. Non, c'est travail au noir. Travail au noir. On reste policier, hein. C'est l'école des officiers, hein. Faut pas. Ah, c'est pour y a ça. Des principes. Je préfère savoir quand même. S'il faut commencer à monter la garde dans le camp pour ce qu'il y a à l'intérieur en plus de ce qu'il y a à l'extérieur. Non, non, c'est travail au noir. Bref, vous savez, Péleni comme Mesa, que j'adore passer du temps avec vous. Est-ce qu'on peut en passer après? C'est plutôt important. Voilà. Je vois Benelli qui prend son temps, qui te regarde pendant qu'il déplie la lettre. J'espère que ça se mérite. Et du coup, on va... Ah mais c'est vraiment du foutage de gueule, en fait. Vous êtes carrément allé à Midofen. Nous étions sur le chemin d'Ashbaro. Bien, super. T'inquiète pas, j'ai fait en sorte qu'il lui arrive rien. Oh, j'ai même tué un démon. Déjà que mère t'aimait pas, t'as juste envie d'en rajouter une couche. C'est possible pour les deux, là. Je me renfrogne visiblement. Vous inquiétez pas, il a pris grand soin d'Ova quand on était en train de se faire poutrer par des slimes dans les Mogden. Ouais. Et je tiens à dire que j'ai même tué un démon. C'est vrai, il était vachement fort. Avec le cimetière, je secoue le cimetière craqué. Du coup, il se retourne vers mes sorties. Je dois vomir, leur mettre une claque. Qu'est-ce que je dois faire? Les deux à la fois. Si vous vomissez, je peux nettoyer. Tant que garde, on n'est pas violent envers les autres. Tu peux essayer de me mettre une claque, mais je sais pas si tu réussirais. C'est vrai qu'il lui laisse 2-3 pas parce qu'il sent qu'il y en a une qui va partir. Je vais suivre ce que fait Humine parce que ça m'a l'air de partir en couille cette situation. C'est vrai que Béléni, je pensais que tu étais le plus grand escrimeur de la famille, mais peut-être que je me suis trompé. Ouais, n'exagérons rien. Chez Ratan, fais pas ce genre de choses, c'est pas bien parce qu'après, il va avoir une bonne raison de vous frapper. Bon, je comprends bien que les histoires de famille, ça doit rester en famille, mais à la base, on est venu pour le boulot, s'il vous plaît. Oui, 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 oui. Nous irons à la taverne plus tard, j'ai pris goût à l'alcool. Nous boirons un coup, mais d'abord, les affaires. Et j'ai la tête qui est juste mort de rire. Mais Sarti, me lis la lettre, s'il te plaît. Pendant ce temps, moi, j'ai une petite sœur à éduquer. Ova, si ça te dérange pas, on va s'écarter un peu. Dieu le suit. Yep. Et genre, ça durera pas. Hein. Il s'écarte. Et genre, t'avances. Tu commences à te redresser et tu sens une grande claque t'arriver derrière la tête. Sans déconner. Tu bois. Tu risques ta vie. Et on n'est même pas au courant, même pas une lettre. Rien. Tu vas pas me dire que la duchesse savait pas. Elle a des contacts dans tout le monde connu et elle est pas au courant que je suis parti de sa propre maison. Mais c'est pas plus. Côté, enfin. C'est plus un manque d'attention qu'autre chose. Oui, bah tu sais, son attention aussi, elle est portée sur autre chose. La fortune familiale en ce moment, c'est pas la joie. Justement, c'est pour ça que j'essaie de faire quelque chose. Je peux être utile.
J'ai même été recruté par les Tenders. Et j'irai à leur bibliothèque. Et je lui montre le symbole, en bois. Génial. T'as rejoint cette secte de tarés. Ils sont complètement illuminés. Arrête. J'ai pas rejoint. Je me sers d'eux. J'ai compris comment fonctionne la famille. Écoute, nous, on est dans la vente de textiles. On n'est pas dans le abracadabra, je fais pousser une plante. Eh bien, peut-être que vous le seriez si vous pouviez. Et peut-être que ça me permettra de savoir d'où je viens aussi. Ça va, c'est pas compliqué de savoir d'où tu viens, je suis ton frère. Bon, ok, on n'a pas la même couleur, mais... Oh la vache. Bon, qu'est-ce qu'ils t'ont trouvé, là, les siphonnés Bah, et je vais me transformer en... un loup blanc. Oh. Tu es abattu par la garde. Yep, yeah, tu l'as vu, mais genre, je suis un loup blanc assis comme un chien. Et je vais drop instantanément après, dans les 6 secondes, je me transforme en loup blanc et je dépeuple. Tu vois pour qui. Et vers un humide. Et tu le vois surtout qui regarde vers le haut. Et tu vois immédiatement deux gardes perchés, un raptor et un. Du coup, enfin, raptor faucon et un autre raptor vautour qui ont immédiatement sorti les flèches et qui commençaient à te viser. Je lève les pattes. Et tu le vois juste qui fait un petit signe de tête et range sa lame. On va éviter de faire ça ici ? Hein ? C'est toi qui voulais savoir ? Oui, bah, tes tours de passe-passe, t'évites. Tu sais très bien... Enfin, tu sais très bien, non, tu sais rien, t'es jamais venu ici. Ici, c'est sécurisé, d'accord ? Sécurisé. Au moindre truc bizarre, il y en a qui hésitent pas trop. Eh bien, alors, tu seras gentil, et après qu'on ait parlé au conseil, on ira à la taverne, et tu me paieras un coup à boire, pour t'excuser. Va y avoir beaucoup de choses à rattraper, là. Parfait, nous aurons le temps, je compte rester un petit peu. Avant de repartir. Oh bah tu vas rester, oui, ça c'est sûr. Je suis plus... discrète. On ne peut pas le penser, il va falloir redoubler d'attention si tu veux me garder dans le coin. Regarde, j'ai bien réussi à tromper la garde rapprochée de la duchesse. La garde rapprochée de la duchesse. Sérieusement, tu t'entends parler ? Un vieux hibou borgne, tu crois vraiment qu'il peut te tenir ? En attendant, il ne m'a pas vu même de son soleil. Déjà, faudrait qu'il arrive à l'ouvrir entre deux siestes. Enfin, bref. Pendant ce temps, du coup, devant... Vous voyez Messartim qui, elle aussi, a réagi, en fait, quand elle a vu le mouvement de bras... tirage d'épée. Il s'est passé quoi, là ? C'est faire ça depuis quelques jours. Elle a des contacts avec des druides. Quelque chose avec les tenders, je crois. Mais t'inquiète pas, Mesa. Je te préfère encore. Pas moi. Et du coup, sur Atan, pendant qu'on... Vous allez le prendre à part ou... Non, j'ai pas besoin. Quoique, il faudra qu'on discute d'un petit truc ce soir. Je suis désolé, je suis pris tous les soirs du mois qui vient, donc... C'est pas grave, on peut venir avec toi, Shiratan, si t'as peur. Non, mais ah, vous inquiétez pas, je pense connaître un petit peu son planning. Pas de problème. Gupil, les affaires de famille, ça reste en famille. Surtout dans les familles où ils apprennent à manier les armes quand ils sont bébés. Oui. Après, je me fais pas de soucis pour lui, comme le crime, c'est mal. Ah. Et petite question. Shiratan. Oui. Du coup, je vais m'approcher de toi, s'il y a pas de mouvement de l'autre côté. Je vais me poster devant toi. Comment ? Explique-moi, j'en peux plus. Alors. Parce que toi, t'étais une étoile, t'es tombée. Et ensuite, on me dit que elle, c'est une étoile. Et... Alors, t'inquiète pas, Frôle. Quand une maman étoile si et un papa étoile... Je fais la même vanne.
quand une maman étoile et un papa étoile s'entendent très, s'aiment très fort, bien ils font un bébé étoile. Et voilà. Oui, ça c'est pareil chez les striges et chez les vulpins, je pense. Bah voilà. Et parfois les étoiles, au fil des années, elles se transforment en quelque chose d'autre. Et puis il y en a qui tombent d'une branche et ça se voit. En fait, à ce moment-là, les cœurs fusionnent, ça fait une grande supernova destructrice. Mais puis je me tourne du coup vers la sœur de Sherzad. Oui, mais les étoiles, ça tombe pas des arbres. Bah. Oh, il y en a, t'inquiète pas, ils ont raté des branches. Ça frôle, c'est des types d'étoiles qu'on appelle des comètes. Là, je te reconnais. Je commence vraiment à regretter d'être venu jusqu'en haut de l'arbre. Est-ce qu'on peut aller voir les vieux cons et se barrer vite d'ici? Ok, alors, les vieux cons, ça va pas passer. Excusez-moi, oui, je... Ne vous inquiétez pas, madame, le seul vieux con ici, c'est lui. C'est pas mon langage, c'est mon langage, mais c'est aussi mon cerveau. Même avec moi, ça passe pas, Humine. Avec toi, t'es un jeune con. J'ai pas encore fini de lire la lettre, mais de ce que je vois, il y a moyen que vous ayez une audience. Encore garanti, il faut que je finisse. Si jamais vous rentrez, on va parler protocole, parce que là, ils sont un peu à cheval. Alors, avant qu'on rentre, il faut savoir qu'Humine, il est déjà en train de se décomposer à la fois physiquement et mentalement. Surtout mentalement. Eh ben, tant pis pour lui. Espérez juste pas finir au trou pour la nuit. Non, faut juste qu'il risque de découliner sur le tapis, quoi. Je préfère prévenir. Y a pas de tapis, donc pas de problème. Ah, tout va bien. On a eu des problèmes avec des tapis, des fois. Ah, super. Surtout, c'est Crane. Cherche pas. Non, mais le tapis de Crane, c'est un objet de collection assez connu. Oui, je l'ai nettoyé, je sais. Ah, c'était un objet de collection. C'est... Il a pro 8, hein. Je vais montrer à Gupin. Le crime, c'est mal. Oui, c'est vrai, Gupel. Le crime, c'est mal. Il y a ce gamin qui me suivait partout à Saltar. Dites, la menace bandique dont vous parlez, c'est la coalition ou pas? Oui. C'est ce qu'ils ont crié. Oui, ils l'ont pas crié très longtemps, mais oui. Oui, ils ont dit pour la coalition. Vous êtes sûr qu'il parlait de coalition? J'ai pas pu entendre avec tout le son qui était en train de gicler partout. Faut nettoyer les oreilles, Gupil. Hein? J'y penserai ce soir. Tu vois, pour le coup, Ova Beleni qui, entendant ça, genre, se raidit assez fortement et commence à te broyer l'épaule. D'ailleurs, si tu peux mettre quelqu'un pour garder un œil sur lui, il est particulièrement instable. En tout cas, pendant qu'il est à Alderaart. Non, je parle discrètement d'abord avec lui. Et oui, sur toi. Tu l'entends souffler fortement. Ok, file-moi son nom de famille, et puis on va voir ce qu'on fait. Après, maître, moi je comptais garder le cérumen pour faire de l'alchimie ce soir. Ne te laisse pas tromper par son idiotie apparente. Stupide, tu es un magicien de talent, ça je te le reconnais, mais touche plus jamais à mes outils d'alchimiste. C'est Gupil Dref. Si j'ai bien compris, je crois qu'il était basé dans l'Underfall avant de venir à l'académie et ensuite on l'a récupéré sur le chemin. On essayait de le tirer vers le droit chemin, mais. Et moi, j'ai de perspicacité. Ça arrive. Est-ce que tu m'autorises une perception comme a priori ils sont, même s'ils parlent pas fort, ils sont à côté de nous actuellement. Ils sont un petit peu plus loin, il y a pas mal de bruit. Okay. Si c'est une perception, je te l'autorise avec des avantages. Très bien. Du coup, c'était perception insight. Ça arrive. Yes. Je suis avec mon frère. Je n'ai aucune concentration. Yep. Arrive. Alors, le problème, c'est que les avantages et désavantages, ils m'arrivent toujours uniquement sur Beyond. C'est dommage, Natonti est 12, ce sera 12. 12 ? Pas suffisant dans cette situation pour entendre quoi que ce soit.
Je sais pas pourquoi ça va pas parse, on n'a pas le résultat qui apparaît. Mais en fait, alors... je te dis, quand je joue en avantage ou en désavantage, il me le roule que sur Beyond. Faudrait que je regarde pourquoi. Quand je le roule en normal, ça me le fait pas. On regardera ça à la pause. Oh non, mais t'inquiète, je te rendrai. Sur ce, du coup, mes orties me filaient la lettre. Ok. Bon, c'est pas moi qui fais autorité, je suis à la première porte, mais montrez cette lettre aux deux gardes qui sont à la porte du conseil et ils vont vous mettre dans l'antichambre et vous aurez sûrement une audience ou au moins un rendez-vous. Et je... Je suis plus sûr parce que je sais que c'est différent quand je travaille ici. Les armes, on les garde à l'intérieur. Non, les armes, on va vous les prendre dans l'antichambre. Ok. Toutes les armes, sérieusement. Jouez pas. T'inquiète pas, c'est pas mon style. Pas ici. Il y en a qui ont voulu garder genre des petits couteaux ou ce genre de choses planquées. Ils ont passé une très longue semaine. Et puis. À l'ombre. Qui a besoin de petits couteaux? Je tape mes cornes. Ceux qui ont rien à compenser. Shiratan, faudrait peut-être qu'on fasse couper tes cornes alors pour rentrer. Je suis désolé. Ça, c'est notre fierté, malheureusement. Donc, ça, on n'y touche pas. En revanche, il y a moyen qu'ils te mettent des. Enfin, rapidement des fers pour t'empêcher de courir. C'est qu'ils allaient mettre des chamallows au bout des cornes. Moi j'aurais mis du coton sur sa tête. Ouais, bah tu sais, on est assez prévoyants, surtout en ce moment. Les grands esprits se rencontrent. En tant que chevalier, t'auras peut-être droit à un passe-droit, mais c'est pas garanti. Bah, j'essaierai. Franchement, sérieusement, tu sais pas ce qui se passe à Alderaan. Bah, j'ai eu des échos et ça me donne pas spécialement envie de savoir. Enfin, si, mais c'est une façon de parler. Il se passe quoi exactement? Du bazar. Mis à part le bordel qu'il y a, ça serait que quand je suis parti... Ah, parce que c'est pas suffisant, il faut en rajouter encore d'autres couches. De quoi? D'autres couches. Comment? J'allais dire des trucs, mais je crois pas qu'on puisse en parler tout de suite. On verra plus tard. Ouais. On avance? Elle vous rend la lettre. Allez, passez. Mélanie, récupère ta frangine. J'arrive. Elle a le droit à une audience au conseil. Tiens, si tu veux récupérer ta lame. Maintenant que tu l'as ébréchée, ça va pas, non? Tu la gardes. Je suis très contente et je me dépêche de retourner là-bas. Quand Ova arrive à côté de moi, vous savez, je peux la réparer. Hein. J'ai peut-être... Vous pouvez la réparer et la nettoyer, ça serait très cool. Qu'elle apprenne un peu ce que c'est que prendre soin de son équipement avant que ça lui pète entre les doigts. Mais si c'est Humine qui la répare, hein. Elle l'apprendra jamais. Oui, bah je l'apprendrai comme j'apprends à l'autre à tailler le bois, vous inquiétez pas. Il arrive déjà pas à tailler le bois correctement. Mais c'est parce qu'il apprend depuis 2 jours. On verra. Par contre, et là je vais me tourner vers notre groupe. Quand on est ici, non, parce que d'habitude je veux bien, on rigole, etc. Aucun manque de respect, pas un mot les plus hauts que les autres. On se coupe pas la parole, on fait attention à ce qu'on dit, ok? Oui, j'ai pas envie que vos conneries me retombent dessus. Mais t'inquiète pas, Shiratan, on fera comme d'habitude, y a pas de soucis. Non, justement, non. C'est pas bien d'habitude. C'est pas bien d'habitude. Mais pourtant, moi, je fais des gros efforts depuis que je vous ai rencontré. Et oui, je note tes efforts, Gupil, mais hélas, ils ne sont pas suffisants. C'est ça, c'est pas la même cour, littéralement. On dirait le vieux Radibek. Peu. Tu sens ta plume commencer à te gratter sous le menton. Ah, je la désinvoque. Tu la vois juste réapparaître devant toi et t'sais, utiliser juste le bout de la plume pour te faire le nez. Elle peut pas, c'est moi qui choisis quand elle se manifeste. Fuck off, je désinvoque encore. Elle réapparaît, cette fois elle se met sur l'oreille. Je continuerai de la désinvoquer instantanément, je vais hold une désinvocation de la plume. Okay.
Il faut vraiment que je passe ma soirée à examiner ce bouquin parce que ce n'est pas normal. Sur ce, vous avancez cette fois et vous tombez sur un mapache dans vraiment genre blaireau mastoc. Et lui, c'est un monstre. C'est-à-dire que vous avez Frôle, qui est déjà une bonne représentation de force de la nature. Là, c'est une bête. C'est-à-dire que à main nue, il pourrait genre repousser la face de Frôle. Moi aussi, je peux me transformer en blaireau géant. Il est là depuis longtemps. Il a l'air d'avoir du grade et d'être là depuis longtemps. Ouais. Pas qu'il faisait des monstres comme ça. Est-ce que je si ça lui de respect quand je passe à côté. Connais. C'est un Talons, donc non, malheureusement. Ok. Non, mais même de nom, quoi que ce soit. Il a une réputation autour de lui. Lance un. J'ai l'histoire. Je regarde DC bien 12. Musique normale. Le blaireau. Histoire. El blaireau. Oh L'imblairable. L'imblairable. Il se fait appeler Drake Quartz. Et il est capitaine des Talons. Ok. Il est capitaine des Talons depuis plus de 20 ans. On parle de lui comme il a fait des boulots avant d'être Talons. Et depuis qu'il est Talons, il fait toujours du boulot, mais on sait pas ce que c'est. Juste, généralement, il y a des os cassés à la suite. Ok. J'ai du coup... c'est ceux à qui on doit aller parler. Yep. C'est celui qui s'occupe de l'entrée, là. Humine qui va se redresser, du coup, genre, il va passer de 1m60... tout plié à genre tout droit 1m61 pardon. Non, il va gagner de bien 10 cm, il va être tout droit, épousseter un petit peu son costume et tout. Se mettre bien. Yep. C'est Cupid, il va rester en position Gollum habituelle. OK. Capitaine. Capitaine. Je m'excuse de vous déranger, j'ai eu une missive et moi et mon groupe aimerions... Allez, faites voir. Parfait. Et je lui tends. Ok. Tu dois juste toquer à la porte derrière. La porte s'ouvre. Vous voyez un lancier, un raptor, pointer un peu son bec. Ouais. Demande une audience. Regarde les registres. On va voir si ces gars peuvent passer aujourd'hui. Vous dites qu'il y a Frôle, peut-être qu'ils me connaissent. Ils ont toujours été gentils. Aucune chance. C'est aucune chance, je sais. Non, mais c'est juste le capitaine qui dit ça. Hein. Ah, ok. Ah bon. Yep. Oh. Non, aucune chance. Bien. On va attendre là, si ça vous dérange pas. Pas de soucis. On commence à enlever équipement et tout ça, ou on attend l'antichambre? On va vous faire le briefing dans l'antichambre. Parfait. Marché. On est à l'intérieur, du coup, y a plus, on voit plus mon frère ni mes artimes. Pour l'instant, en fait, vous avez passé une première porte. Vous avez toujours l'image, normalement, qui est accessible, si vous le souhaitez. Entrée du conseil dans ambiance. Oui, entrée du conseil. Oui. Et si vous regardez bien, en fait, il y a un premier escalier avec une première porte, et derrière, vous voyez que le bâtiment est à la perpendiculaire. Donc, il y a une autre porte pour rentrer dans le bâtiment du conseil. Donc, vous avez été arrêté d'abord par frère et sœur, et là, maintenant, c'est le capitaine qui tient, du coup, devant le bâtiment. Mais ils sont plus en vue, ils ne nous voient plus. C'est un petit peu loin, comme tu vois, quand même, c'est massif, hein, comme bâtiment. Donc, ça, c'est vraiment plus loin. Eh ben, je vais sortir ma grande cape bleue. Avec du coup une petite broche pour l'attacher, histoire de faire bien noble, avec une petite broche pour l'attacher avec deux petites étoiles qui tournent autour du cou. Ah merde, je sais plus ce que c'est. L'insigne familial. Je crois que je l'ai. Bref, tu pourras la retrouver. Sur ce,
Je vais essayer d'arranger Gupil, moi, pour qu'il ait l'air un peu... un peu de l'air... Qu'il ait un peu l'air propre. Genre, bien sur lui, bien magicien. Un étudiant de l'avium. Mais Humine, qu'est-ce que tu fais? J'essaie de faire en sorte que t'arrives pas en prison. Moi, je pourrais aller en prison. Pourquoi j'irais en prison? Et très vite. Si tu te comportes pas bien. Quand tu te tiens bien droit, tu montres bien le torse, et t'évites de trop dire de bêtises. Mais mec, vous savez, je peux plus me tenir droit depuis la troisième année de bibliothèque. Il y a une technique. C'est lui qui commence à se redresser un peu en entendant au niveau du colonne vertébrale. Tu vois juste le capitaine qui passe derrière toi, met une main sur ton torse. Bonne chance. Bouge pas. Mets une main sur ton dos et tu le sens te compresser. Il y a un moment, c'est juste. T'es droit. Genre. C'est étonnant parce que t'as des muscles du dos qui étaient sûrement genre atrophiés ou quoi que ce soit. Et juste, tu te tiens droit. C'est étonnant, surprenant, t'as jamais vu le monde d'aussi haut. Je crois que mes vertèbres sont rentrées à l'intérieur de mes poumons, elles devraient pas être là. Non, justement, elles devraient être là. Je suis presque sûr qu'elles sont au bon endroit. Hein. Je vous remercie, monsieur. Mais ça fait mal, le bon endroit. Non, ça c'est quand on sait pas l'utiliser depuis très longtemps. Non. Ça va aller. Et bah, les mains le long du corps, les épaules en arrière, la tête en arrière. Tu écoutes le monsieur, Gupil. Mais... Non, sérieux, vous allez avoir besoin d'une sacrée dose d'étiquette. Mais moi, j'étais venu ici pour aider les gens, pas pour me faire maltraiter. Si ouais. c'est pas maltraiter que de bien se représenter. Au contraire. Si c'est trop pour toi, Gupil, tu peux rester dehors. Non, dehors, il y a la famille de Sheratan et la tienne qui font peur. Je suis sûr que c'est pas sur un endroit qui va faire peur. Tu vois, pour le coup, juste à côté de toi... Vraiment, t'es towering au-dessus de toi, le capitaine Mapache. De la famille, mes deux gardes. Je vais montrer mes cornes et le symbole. Je vais mettre ma main devant la poche. Tu vois, pour le coup, il a un regard... particulièrement insistant sur toi, Sheratan. J'ai besoin de me présenter ou... Non, pas besoin. Très bien. Oh, t'es connu. J'ai pas l'impression que je te ferai une bonne nouvelle, par contre. Je suis l'aîné d'une grande famille. T'inquiète pas, Humine. Sheratan, il a jamais trempé dans aucun crime. Il est aussi blanc qu'au vert. Le crime, c'est mal. Non, non, mais... Seulement, je n'étais pas blanc. Je regarde Sheratan. Ova, Sheratan, Ova. C'est vrai que Ova qui est entièrement blanche et Sheratan qui est entièrement noir. Hein. C'est pas possible, Gupil. Enfin, tu vois bien, Sheratan, Ova. Non, ils sont tous les deux blancs, mais à leur manière très personnelle. Et pourtant, je suis le mouton noir de ma famille. À ce moment-là, du comme coup, Sheratan. Le garde raptor ouvre la porte et chef, c'est pas possible. Là, c'est déjà tout pris. Faudra qu'il passe demain. Passe vers quelle heure? Bon, demain aux aurores. Les aurores, ça va nous faire nous lever super tôt. Au moment où il dit ça, tu vois Humine qui juste retombe en boss. On sera là et je. Notre chère, enfin, ma chère amie juste ici, et en pointant au bas, et moi-même tâcherons de leur enseigner un peu plus d'étiquette. Va falloir. Je connais mon étiquette, hein. C'est juste que j'aime pas trop la montrer devant des gens qui ne la méritent pas. Je parle pas du capitaine des gardes, lui il la mérite. Ouais, il mérite bien plus, si tu veux savoir. Je suis bien d'accord. J'ai rangé la cape. Peu de respect. On range la cape. Si vous pouvez dégager la place. Bien sûr. Moi j'ai envie de faire comme Humi, j'aimerais bien reprendre ma position naturelle, je fais comment? Ça coince? Toi non. Tu fais comme si tu lisais un livre.
Comme ça. Tu retombes assez flasquement, mollement, toujours un peu courbé. Fagupil qui rentre, c'est comme un chien qui a des hémorroïdes blessé jusqu'à sortie. Tu te rends compte quand même que c'était plus facile de te déplacer quand même quand t'étais tout droit. Il y avait un petit peu de prestance. Il faudra que je réfléchisse à ça ce soir si j'ai le temps. 5 fils de moi. Bon courage pour la fin de la journée. On n'a pas besoin de courage chez les talents. C'est inné. Bonne journée alors. Rotan qui se rembarrait à chaque phrase, ça me flingue. Allons-y, j'ai cru comprendre que ce serait difficile de trouver un endroit pour dormir. Que je peux juste te demander un petit truc, MJ. Oh, pas forcément. Est-ce que tu me autoriserais un jet d'insight pour savoir ce qu'il pense de moi? Parce que je vois qu'il est hyper insistant pour savoir si j'arrive à en tirer quelque chose, en fait. Si j'arrive à comprendre son langage corporel et par rapport à ce qu'il pense de moi et la discussion. Vas-y. Très bien. À mon avis, t'as besoin de... C'est tout à fait faisable pour n'importe qui, pour n'importe quoi. Donc, T'as besoin de faire un DC1 pour savoir qu'il pense que t'es un connard. C'est plutôt... Après, il a ma sœur en... Arthuride, dur à lire. Ça doit pas aider hein, qu'il est ta sœur. Il a un regard insistant. Quand on commence à s'éloigner, je fais... Il a un regard insistant. Fais attention, je te regarde. Il a peut-être des bonnes raisons de l'avoir. Je tiens à rappeler que je suis quand même chevalier. Hein. J'ai fait les mêmes études. Hein. Je crois qu'il t'aime pas beaucoup, Sheratan. Sheratan, t'as peut-être fait les mêmes études. Mais je dirais que vous avez des spécialités bien différentes. Bah, bien sûr, je suis chevalier. C'est... Après, Sheratan, si je peux me permettre... Un garde d'un palais. À la Vium, on a tous fait les mêmes études. Ce qui nous différencie, c'est qu'on n'a pas tous fait les mêmes bêtises. Je pense que ça doit être la même chose qui te différencie avec ce garde. Bah, je comprends pas. Par exemple, pas. Il a fait les bêtises sous l'ordre du conseil. Du coup, c'est une récompense qu'il a eu. Lui, il a dû faire beaucoup plus de bêtises. Sheratan... Tu es bien plus de valeur qu'un simple soldat et tu le sais. Bah oui, c'est un chevalier. J'ai un tas qui va encore plus bomber le torse qu'avant. Et maintenant, sortir en full pimp, suis quelqu'un d'important. Okay. Allons-y, mais malheureusement, je crains que ce soir nous ne pourrons pas boire. Nous devrons nous lever tôt demain matin. Bah, on peut pas boire et se lever tôt? Eh bien, tu peux tenter, mais tu resteras dans ta chambre et nous irons tous à le feu. J'ai pas confiance en vous. J'ai pas confiance en nous non plus. C'est pour ça que j'ai pas confiance en vous. Benelli, quand est-ce que tu finis ton service? Quand je le finis, t'as pas besoin de savoir mon programme. Sache par contre que je vais te retrouver. Et en parlant de ça. On va avoir une sérieuse discussion. Où est-ce qu'on dort? Vous pouvez essayer. Les auberges sont sûrement blindées. Même s'ils ont augmenté leur prix. Je vous déconseille très fortement les racines. Compréhensible. Sans blague. Tu me diras, Sheratan, t'es soldat, en quelque sorte. Vous pouvez aller à la cruche en bois, au marché du tronc. Sinon, il y a... Vous pouvez Après, essayer les temps pour avec voir mes si parents. Jamais ils peuvent vous laisser rentrer. Je pense pas qu'on ait la place, mais... Dans tous les cas, faut que j'aille voir mes parents s'ils ont de la place. Si quelqu'un d'entre vous peut vous héberger, ça sera peut-être mieux. Je ne voudrais pas m'imposer. Mais non, mais après, si j'accepte pas, ils acceptent pas. Hein, tu sais. Même sur Athan, ils pourraient se faire dégager de ma maison. Quelle heure il est d'ailleurs? Moi, je m'opposerai pas à mon père. Il doit être sur les coups de 19h maintenant. Vous étiez arrivé déjà sur la fin de journée.
vers la ville. Donc il va commencer à faire faim. J'aimerais glisser un petit mot à Bélény en passant. Juste dans son oreille, juste... Yep. Si tu la cherches, trouve-moi et je te dirai. Inutile. J'imagine. Et du coup, je commence déjà à partir, je fais « Mais si tu me cherches !» Je vais passer à la bibliothèque et au temple de Rhea et peut-être garder mes pensées pour As. Mais à la cruche en bois, tu disais ? Cher compagnon, ça vous va ? Il y avait les parents du troll aussi. Moi, comme j'ai dit, faut que j'aille les voir. Et ça, il faut que je passe aussi à la caserne. Nous ne sommes pas obligés de tous être ensemble. On peut faire deux groupes, hein. Vous que voyez. Peut-être que la bibliothèque intéresserait nos avis de lecteurs. Je regarde particulièrement Cupil et notre cher humide professeur. Mais je crains que chez les druides, le feu soit mal vu. Du coup, peut-être se redresser et être un peu plus délicat. Clin d'œil à Gupil. Vous savez, je connais des cercles druidiques. Je fais deux grands hochements de tête. Parfait. Vous disiez, professeur ? Vous savez qu'il existe des cercles druidiques maîtrisés dans le contrôle de la flamme ? C'est un aspect de la nature, après tout. Et l'adjectif est maîtrisé. Sur ce... Il maîtrise, hein, jusqu'à ce que ça quitte ses mains. Et jusqu'à ce que ça tue des gens sans forcément. Voilà. Je vois votre point, je suppose. Mais je me garderai de dire d'autres détails aussi compromettants en la présence de mon aîné. Si vous voulez bien. Et vous savez, vas-y. Vous savez qu'il vous a retrouvé avec son épée remplie de sang. Hein. Je pense qu'il sait à peu près pourquoi elle a servi, surtout que la lettre donnait pas mal de détails non plus. Oui. Frôle, moi je t'accompagne. Oui. Si tu veux. Bah parfait. J'ai hâte de les rencontrer. Et de passer à la caserne. Pour une fois. J'ai hâte de voir qui est-ce qui peut faire peur à notre cher Frôle. Mon père. Et ma mère surtout. Ce sera sans moi, j'aurais adoré les rencontrer, mais j'aimerais aller voir des gens, en fait. Si tu veux, fais comme tu veux. Et je vais me retourner vers Bélény, et je vais rien dire. Bon. On se retrouve demain matin à l'aube, là, devant la salle du conseil. Parfait. Ouais. Tu t'en y aller tout seul, Gupil ? Je pense pas avoir besoin d'une escorte, hein. Et toi qui vois. Bah, bonne fin de journée, hein. Ouais, toi aussi. Cupil. Oui. Fais attention à toi. Ça marche. Je vais faire ça. Allez, fais gaffe à toi, Cam. Ok. On va donc commencer dans les branches. Oui. Puisque c'est le chemin le plus rapide. Vous commencez par descendre. Tu peux passer et... laisser du coup à la caserne, parce que vous passez par les bouts, pour laisser les quelques armures que tu as récupérées si tu le souhaites. Ouais, et j'aimerais juste me garder au moins une épée, enfin une arme potentiellement la plus abîmée. Je gérerai avec eux s'ils veulent déjà récupérer que les armes qui font partie de la caserne de base, s'ils voudraient récupérer toutes les armes. Ils souhaiteraient récupérer toutes les armes. Je vais pas te faire cette séance RP pour ça, c'est juste... Ouais. Est-ce que tu donnes le package, ou est-ce qu'il y a un ou deux trucs que tu veux garder ? Bah, j'aimerais me garder une arme. C'est un truc la plus abîmée, c'est lequel est la plus abîmée ? Il y a ce qui était à l'époque une longue sword qui est cassée. Très bien. Du coup, maintenant, c'est une short sword. Très bien. Voilà. Je la garderai. Tu peux garder aussi, du coup, il y a un... Non, elle était juste utilisée en tant que short-sort. Le bout, il est perdu quelque part. C'est comme un couteau, il a été tellement aiguisé qu'il devient de plus en plus petit au bout d'un moment. C'est un peu ça.
Le manche est comme ça, la lame est comme ça. Exactement. Non, c'était juste une épée longue, donc ça reste, voilà, il y a un peu plus de manches que pour une short sword classique, mais voilà. Ok. Mais ouais, non, mais je garderai ce morceau-là. Ok. Et j'arrive après. Du coup, vous vous dirigez dans les branches. Et vous voyez que les branches sont quand même un quartier encore assez, on va dire, de classe moyenne. Et il y a beaucoup de monde. Et vous voyez qu'il y a toujours beaucoup de passages. Et bien que ce soit plus ou moins les heures pour le repas, classiquement, les rues sont encore assez bondées. Alors que vous vous dirigez vers une petite maison assez éloignée par les branches. Du coup, Frawl, tu t'arrêtes devant une maison que tu connais très bien. Simple petite maison avec une porte bleue. Je vais toquer. Ok. Toquer à la porte. Vous entendez un gros bruit à l'intérieur. Non mais c'est pas vrai, ils viennent pas frapper à la porte à cette heure-là. Et vous voyez la porte qui s'ouvre à la volée. Et presque juste le corps d'un Stridge, vous voyez difficilement sa tête. Comme Frawl, une force de la nature. Baisse la tête. Qu'est-ce que vous venez encore foutre chez... C'est comme ça qu'on m'accueille ? Fils ? Salut père. Comment ça va ? On était en train de manger avec ta mère. Mais là, si tu viens sans prévenir, elle va pas être contente. Merde. Mais j'ai prévenu. J'ai envoyé une lettre. Quand ? Bah, avant de partir de Winnowing Reach. Bah, elle est pas encore arrivée. Une semaine, un peu plus. Bah, elle est pas encore arrivée. Merde. Mais, joli progrès. T'as fait une lettre. Ouais, bah, j'ai eu l'aide de... Et puis je pointe Humine et Gupil. Ils sont de la viande. Pas là, Gupil, il pointe Sheraton. Ah oui, pas Humine et Sheraton, du coup. Enfin, il est de la viande, et lui, c'est un chevalier. J'ai vérifié la lecture. De la viande. Oui, je suis professeur. Vous lui avez appris à écrire ? Il m'a dicté. Ok. Ok. Il fait des progrès, hein. Je l'ai vu faire des phrases avec plus de 5 mots dedans. Et même une fois, il a utilisé un mot compliqué. Si, je vous jure. Il a dit métaphoriquement. Dans une phrase où ça avait du sens. Ouais, mais j'ai pas compris le mot. Hein. Mais t'as compris le sens. C'est le plus important. Je suis fier de toi, fils. Merci pas. Bon, il fait des progrès ailleurs que ses dons naturels. Du coup, il se retourne. Putain, je sais que je l'ai noté. Faut bien que je devienne qu'un peu plus comme maman que comme toi. Hein. Ouch. Ok, Sheraton vient en Paris que la maman elle est toute petite et super intelligente. Non, non. Fait deux fois la taille du père. Mais deux fois la taille du père. Et son elle a deux fois moins de QI. Si en fait elle est juste stuck dans une pièce. Qui a été construit tout en sortir. Elle a jamais réussi à sortir. En fait, c'est l'arme secrète d'Alderaard et ils appuient sur la sonnette pour la libérer. Ils ont le toit en fait. Vous l'entendez pour le coup de derrière lui surgir. Bon alors, tu les as virés les prospecteurs. C'est comme ça que tu traites ton fils. Vous entendez. Mais il est pas là, Frawl. Hein, j'essaie de passer ma tête un peu côté de mon père. Du coup, ton père sort. Si, il est là. J'ai envoyé une lettre. Mais apparemment, elle est pas arrivée. Du coup, vous entendez quelqu'un arriver en courant. Et juste,
Vous voyez du coup ce grand strige se faire, mais alors bousculer, dégager de la place par une strige classique. On va dire pas forcément hyper grande, hyper baraquée ou quoi que ce soit. Mais vous voyez un œil particulièrement vif. Et la manière de pousser le père de Frôle a été particulièrement vive aussi. Pour quelqu'un comme Goupil, ça l'aurait cassé en deux contre un mur. Ils savent se battre, quoi. Enfin, ils ont l'air d'avoir un peu d'entraînement. Autant, lui, vu sa carrure, oui. Elle, pas forcément. Ça a pas l'air d'être une combattante. Ok. Et juste, elle passe. Oh, mon petit! Bah, c'est le moment. Elle arrive en courant et juste te prend dans ses bras et te serre très fort. Et même si tu fais une tête de plus, ça serre. C'est pas non plus à te péter les côtes, parce qu'il faut pas exagérer. Coup du lapin. mais vraiment, elle te serre très fort. Ah oh, mais qu'est-ce que tu viens faire? T'as ramené des amis? Enchanté. Oui. C'est des gens que j'ai rencontrés. Bon, il en manque un parce que je pense qu'il a voulu voir sa famille aussi. Oh ouais. Mais je te présente Humin, professeur de l'Avium, qui est aussi le professeur de l'autre qui n'est pas là, qui s'appelle Gupil. Professeur de l'Avium? Bon, mon fils est rentré à l'académie? Non. Oh. Ça se voit que tu me connais pas. Super boulot de garde, là je vous l'assure. Ensuite, il y a Sheraton. Alors, lui c'est bizarre. Parce que lui c'est une étoile qui est tombée du ciel et il est chevalier d'Aldor. Et aussi, c'est le grand frère d'un garde-talon qu'on a rencontré quelques temps. Enfin, 10 minutes. Vous voyez pour le coup qu'il se regarde. Vous êtes chevalier du coup? Absolument. Mais je sais pas vraiment. Hommage. Pas du tout. C'est gâché. Voilà, je... Et faites comme si de rien n'était. Il y a. Ouais, parce que c'est bizarre, dans sa famille, ils sont tous des étoiles. J'ai pas compris, Et il y a Ova. Elle est pas là. Je suis pas là non plus. Ova. Ah bah, elle est pas là non plus. Mémoire courte, on va travailler dessus. Non, mais j'étais trop content de les voir. J'ai pas vu. Moi, j'ai juste vu Gupil un peu partir, mais en fait, je me suis pas rendu compte. Je comprends. Elle aussi. Enfin. Elle est amie avec Sheraton. D'accord. Si vous êtes là, c'est parce que vous n'arrivez pas à vous loger? Non. Moi, je voulais juste voir les parents de Frôl. J'irai au temple, je suis acolyte. Donc. Alors, c'était purement pour vous rencontrer qu'on l'a suivi. Et ça avait l'air de lui faire plaisir. D'accord, enfin, vous voulez pas manger un morceau, on peut préparer. Hein. On ne voudrait pas vous déranger, hein, mais... Non, mais nous... Ça vous dérange pas? Non. Oh. Bon, bah, très bien. Si allez, ça ne vous dérange pas... Allez, Sheraton, vous allez voir, c'est comme à la soupe. Puis je veux voir la réaction du mine. Si c'est comme à la soupe, je vais devoir refuser, sinon je vais faire un arrêt cardiaque. Mais non, c'est pas comme ça. Entre. C'est quoi la soupe? C'est le repas qui est fourni aux gardes à Winnowingridge. Arrête. Et tu vois, du coup, c'est ton père qui... Ah ouais, je connais. C'est bon, hein. Oh, et puis la dernière fois, le patron il a sorti sa cuvée spéciale. Qui va avec la soupe. Le truc qu'il faut boire juste après la soupe. L'hypothermie. J'aurais voulu que t'aies quelques années de plus
avant de goûter à ça. Mais ouais, je sais, mais bon. Enfin bon, tu sais très bien, j'ai pas attendu. T'as l'âge. Tu sais, à l'école des officiers. Ça, je veux pas savoir, on en a déjà parlé. Ouais, ouais, d'accord, d'accord. Hein ? On a toujours dit, les règles, ça sauve des vies. Oui, toujours. Je vais poser une question parce que c'est vrai que je m'étais pas demandé devant la l'ostriche qui est votre fils, il a quel âge en fait? Oui. Tu vois, pour le coup, le père qui commence à réfléchir sérieusement. Je vais me tourner doucement vers la maman. Qui, tu vois, plisse de plus en plus les yeux vers lui. Est-ce qu'elle plisse ses yeux de fouine? J'espère. Ses yeux de strige. C'est encore pire, c'est perçant. Ouais. S'il vous plaît. Et tu l'entends compter. Hein? Vous voyez vraiment le père commencer à paniquer. 20. 23! Ping! Il prend un énorme coup dans les côtes. Eh, apparemment, tu t'es trompé. Oh, est-ce que tu sais, toi? Il a 22! Espèce d'ignare. C'est ça, 22! Je t'aurais donné plus. Moi aussi. Oh non. Enfin, je suis là, tout fraîchement sorti des officiers. Tu fais muscler pour ton âge, Frôle. Bref, rentrez. Merci. Ouais, allez-y, allez. Et puis je laisse passer Humine et Sheratan devant moi. Alors que vous rentrez, vous voyez qu'à l'intérieur, c'est assez spartiate, mais vous voyez un atelier de tissage sur le qui a l'air d'être posé. Et vous voyez qu'elle est en train de faire du tissu simple, de la jute, mais qui a l'air d'être quand même de bonne qualité. Ça pourrait faire juste du vêtement, on va dire, basique, mais qui tiendrait. Vous êtes tisserande? Moi, non. Mais je vais m'adresser à la dame, du coup. Yep. Oui, il faut bien ramener un revenu régulier dans cette maison. Mes parents étaient producteurs de tissu. Je me penche un peu sur l'établi pour regarder ce qu'elle fait, et puis je vais m'asseoir un peu quelque part. Tu vois que c'est un tressage qui nécessite quand même beaucoup de technique. Et c'est quelque chose qui, justement, en fait, peut-être que le tressage fait la différence ici. Fais-moi un jet de perception. Jet de tressage. Ouais. Non. 13. 13. Tu remarques deux marques dans la poussière qui ont l'air d'être des caisses, mais qui ne sont pas là, du coup. De semblants de traces de caisses qui ont disparu. Le commerce a l'air de marcher, je suppose. Oh, non, c'est juste un... On a eu un petit problème. C'est-à-dire? Oh, comment ça, plisser les yeux? Ne t'en fais pas avec ça, c'est pas grave, ça arrive. C'est voilà. Qui? On sait pas. Quelqu'un a forcé la serrure, n'a laissé que très peu de marques sur la serrure, et ils ont été suffisamment silencieux pour qu'on se réveille pas, et ils sont partis avec les caisses de tissu que je venais de faire. Après de la prendre. Est-ce que tu penses que c'est les autres? Enfin, les autres... Ce dont tu m'as parlé. Oh, c'est compliqué à dire. D'ailleurs, ça se passe comment? Ils ont pris de l'importance? Bah, c'est des concurrents, donc forcément, ils gagnent. Ils gagnent un petit peu. Mais
Tu sais, à l'époque, on a eu les chopes à leur place, donc forcément, il y a toujours eu un peu cette rivalité. C'est quoi ça? T'embête pas, c'est le passé. Je suis désolé d'interrompre, mais je peux peut-être essayer de faire remonter ça, si vous voulez. Oui, on a rendez-vous avec les conseillers demain. Je pensais peut-être pas le dire directement au conseil, mais... Le conseil doit le savoir. Il y a eu un vol. Protocole, Frôle, protocole. Protocole. Oui, mon père essaie, il a dû se charger de ça. Ouais. C'est passé par les gardes, mais tout ce qu'ils me disent, c'est que les vols sont de plus en plus communs, donc... Je veux pas vous alarmer, mais Alderhart commence à ressembler de plus en plus à une grande poudrière. On a vu. Mais bon. Bon, passons à autre chose. Ouais, le repas. On a ce qu'il faut. Ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, Frôle, si j'ai bien compris, tu m'as dit que tu avais de la famille qui était ou avait été mercenaire. Je pointe mon père. Je sais pas... Oui, enfin, il en a fait un peu. Ton regard se tourne en regardant la pièce et tu remarques, parce que tu as l'œil pour ça, il y a des haches au mur, des épées, et surtout, ce que tu remarques, c'est ce qui est caché. Tu remarques au-dessus du chandelier une dague. Tu remarques derrière un pied de table une autre dague. Immédiatement, je me sens plus à l'aise. Comme à la maison. Bah, tout à l'heure, je tiens à dire que quand t'as dit une poudrière, je pensais que t'allais dire saltar. Ouais, moi aussi. Saltar ressemble de plus en plus à saltar. Ah bah, je connais, ma famille et moi, on est... Enfin, j'étais du métier. Oh, avant d'être chevalier? Oui, ma famille... Peut-être que vous avez entendu les hashtags du port de Saltar. Tu vois, pour le coup, donc la mère de... Ils ont pas encore dit leur nom. La mère de Frôle se tournait. Si c'est un nom que tu connais, est-ce que je dois m'inquiéter? Et tu dois... Oh non, non. C'est loin. Et puis surtout que je suis purement chevalier. Et Frôle est un grand ami. Fais-moi un jet de tromperie là-dessus. Ah, physiquement, sur quelle partie de la phrase? La première partie de la phrase. Voilà, c'est plus ça. Ok, parce que la deuxième, elle est totalement honnête. Ah oui, mais il y a quelque chose, là, il faut qu'il cross-check avec ses infos. De toute façon, il sait que je suis un hashtag, donc bon. Même si je suis purement chevalier... C'est avantage plus 5, là, tu vois. 13, ok. Tu vois qu'il... Bon. Les infos datent peut-être un peu. Ça se trouve, il se range. Après tout, à Saltar, c'est le bordel aussi, donc... J'ai cru comprendre. Un coup de main en cuisine, peut-être. Oh, absolument, vu que je dois faire... Si ça vous dérange pas d'éplucher quelques patates. Absolument pas, ça me rappelle quand je coupe du bois. Parfait, c'est des patates, c'est... Mais, d'accord. Il fait des sculptures sur du bois. Enfin, il fait des... Je refais une face. Il fait des petits bonhommes, enfin, il fait des dessins sur le bois. Ok. Si tu la vois qui... Je pourrais éplucher les patates. Hein. Ouais, ouais, bon, tu pourrais sculpter des patates aussi. Tu commences à, du coup, éplucher les patates. Et là-dessus, on va passer à Ova. J'avais une question plus précise, oui. Puisque moi je me dirige vers les temples, du coup, à Brightolos. Oui. Je suppose, peut-être,
Justement, c'est la question que je posais à Gupil. Est-ce que je fais une partie du trajet avec toi? Alors, est-ce que t'es parti en mode je pars en scred et je fais attention à ce que on descende pas ensemble? J'ai pas du tout dit que je partais en scred, je vous ai même dit que je partais. Hein. Ah, non, mais c'est vraiment ça. Ouais, d'accord, ok. Dire, on part tous les deux. Tu veux aller où, toi? Moi, je vais au temple. Au temple, je vais au temple. Du coup, à Breitolose, du coup, c'est Rhea et Ast. Rhea et Ast. Ok, bah, en fait, genre, on va probablement faire le trajet ensemble, et moi, je te suivrai pas au temple, je continuerai de descendre. Ouais. Et... Gupil, est-ce que toi, tu t'intéresserais, du coup, d'aller à la bibliothèque Ça pourrait être intéressant. Ça fait longtemps que j'y suis pas allé à la bibliothèque d'Alderheart, et puis j'étais pas formé pour y trouver des choses de manière rapide à l'époque. Et je parle bien de celle des druides, celle qui vient d'ouvrir. Ah, la bibliothèque des druides. Oh, ça pourrait être intéressant, oui. Il y a sûrement des savoirs enfouis depuis des dizaines, voire des centaines d'années. Des centaines d'années, ça m'intéresse. Il est quelle heure là actuellement au moment de cette conversation? Le temps que ça se passe, vous étiez à 19h au conseil, allez, une petite demi-heure est passée pour les discussions et l'attente. Ok, moi ouais, je vois. Donc voilà, ouais, 19h30, le temps de redescendre, peut-être 20h, okay. Allez. On pourra peut-être y aller demain après le conseil si tu veux. Je crains que de toute façon ce soit fermé ce soir, mais... Ah, tu voulais c'est y pas... aller aux horaires, d'accord. Tant que j'y suis... Voilà, camarade. Et je vais aller et j'aimerais, pendant le trajet, poser des questions pour savoir où c'est. Est-ce que, je suppose que c'est un gros événement d'avoir ouvert un truc sur les druides, du coup essayer de trouver où est-ce qu'elle est, la bibliothèque. C'est quand vous serez au niveau du Trunk Market, donc qui a perdu un peu d'activité alors que les marchés ont fermé les uns après les autres, mais vous voyez qu'il y a encore notamment une taverne que vous allez croiser et qui est vraiment blindé à craquer, ça déborde dans la rue et ça met une bonne partie de la rue. Hein. C'est la cruche en bois ? Oui. Vous voyez qu'il y a pas mal de gardes autour qui sont en service et d'autres gardes qui ne sont pas en service. Sûrement pour ramener les premiers. Vous allez avancer encore un peu et vous allez voir un coin où il y a quelques réfugiés encore posés devant. Et vous voyez juste une simple porte en verre sur laquelle est représenté le symbole des Tenders. Il y a de l'animation à l'intérieur ou pas? Ça n'a pas l'air très animé. Mais c'est allumé. Il y a personne devant. Ça a l'air d'être allumé, par contre, il y a l'air d'y avoir de la lumière qui filtre depuis l'intérieur. Si ça te dérange pas, je vais aller faire un tour. Tu n'as qu'à continuer jusqu'à... Bah écoute, non, mais si tu vas faire un tour, moi je vais passer avec toi. Hein. Et bah, allons-y, et je vais sortir mon symbole. Okay. Et le mettre de manière ostensible au niveau du... juste sous mon épaule. Enfin, je vais l'accrocher, quoi. Un petit symbole. Au moment où tu passes, vous voyez qu'en fait, ceux qui ont l'air d'être des réfugiés sont jeunes. Ils ont probablement vos âges. Et vous les voyez avec de la terre dans les mains, en train de réciter quelque chose. Et vous voyez juste une personne qui a l'air de tourner autour et de les regarder faire. Non, c'est ce que j'allais dire. Disons que le truc le plus ressemblant entre les druides et les réfugiés, c'est le nombre de pains qu'ils prennent, quoi. Du coup, je suppose que de toute façon, la différence entre les deux est plutôt difficile à faire. Et bien, je vais essayer de héler la personne qui fait les rondes. Moi, je suis observé autour. On est sur le territoire d'Ova, donc je vais laisser faire. Excusez-moi ? Tu vois un Galus, pour le coup, se tourner vers toi. Est-ce que la bibliothèque est ouverte à cette heure-ci? Plus pour longtemps, malheureusement. On m'a dit de me présenter ici, j'ai croisé quelques-uns de... Est-ce que je vois un symbole sur lui ou pas? Absolument. Il a un symbole sur lui, et tu vois que son symbole est un métal argenté. Et il y a une sorte de muguet qui a été tressé autour.
J'ai croisé certains de vos confrères sur la route jusqu'ici. Ils m'ont dit de me présenter à cette bibliothèque. Devrais-je plutôt passer demain? Intéressant. Je pourrais me transformer en loup, mais la dernière fois que je l'ai fait devant le conseil, les gens n'ont pas apprécié. Si vous avez déjà le symbole, c'est que vous avez déjà fait preuve de quelques capacités. Il y a en effet quelque chose qui pourrait être recherché par des jeunes. Rien de dangereux. Oui. Repassez demain, nous en parlerons avec un peu plus de précision. Et en tant qu'alcoolique, acolyte. Pas encore alcoolique. En tant qu'alcoolique. En tant qu'acolyte, ai-je accès à la bibliothèque quand elle est ouverte? Absolument. Un grand sourire. Eh bien, En tant que connaissance d'un acolyte, est-ce que moi j'y ai accès? Je me porte garant, évidemment. Le savoir des druides est pour l'instant encore réservé à ceux qui ont fait preuve d'une certaine connexion à la nature. Si vous voulez accéder à cette bibliothèque particulière, eh bien, il fait un geste vers toutes les personnes avec de la terre dans les mains. Il faudra passer l'épreuve. Une épreuve? Elle consiste en quoi? Eh bien, prenez un peu de terre et dites-moi ce que vous ressentez et ce que vous êtes capable d'en faire. Ok. Après, je peux invoquer des animaux, je sais pas si ça compte comme lien avec la nature. Tout dépend de la communion avec cet animal. Je vais prendre un peu de terre et je vais commencer à faire apparaître du coup des germes à l'intérieur. Ok. Tu le vois qui est juste met une main sur la tienne. Vous avez déjà passé les épreuves, vous avez votre symbole. Je comptais juste montrer à mon camarade. Non. Sa réponse doit venir de lui-même. Eh bien, je l'ai fait se fameux très rapidement. Et petit à petit, tu sais. Tu peux créer la vie et la mort en même temps. Je repose l'herbe, je repose tout par terre. Eh bien, si tu veux tester Gupil, de toute façon, je repasserai demain après le conseil. Je vais prendre un peu de terre dans ma pâte. Je voulais pas trop me salir avant, mais c'est pas grave. Mine, il s'en serait mis partout s'il était là. C'est vrai. J'ai commencé à la faire rouler entre mes doigts. C'est marrant parce que c'est doux quand même un petit peu. Ce que je sens, hein, c'est ça, l'épreuve. Et bah, je sens quelque chose qui était vivant avant et qui ne l'est plus aujourd'hui. Je sens beaucoup de choses qui sont mortes et qui servent maintenant à en faire pousser d'autres. Fais-moi un jet de persuasion ou de tromperie. Selon si tu crois à ce que tu dis, ou si c'est du bullshit. Ça ressemble beaucoup à du bullshit quand même. Non, ça va être de la persuasion, pour le coup. Ok. C'est un 10. Heureusement que c'était pas tromperie. Yes. J'ai fait un 20 net. Les bons 20 d'insight. Nice. Yep. Tu le vois. C'est un début. Mais il manque quelque chose encore. Et tu vois juste qu'il te reprend la terre et te nettoie les mains. Et tu vois que tes mains sont étrangement propres.
Ma crasse. Et... Hésitation. N'hésitez pas à revenir si vous trouvez une autre réponse ou une réponse plus complète, peut-être. Non. Je verrai si j'ai le temps. Bah, je vais te laisser ici, hein. Moi, Ova, j'ai des gens à voir. Bonne soirée. Je vais faire un rapide signe de tête au Galus. Et je reviendrai demain et je vais te suivre pour aller jusqu'au temple. Ok. Et une fois qu'on est hors de portée du Galus, je vais faire... Ne t'inquiète pas, j'ai une bonne mémoire. Si jamais tu veux savoir des choses, j'essaierai de te les rapporter. Ça marche, merci. Et du coup, direction les temples, et je suppose qu'on se séparera à partir du moment où on arrivera sur la place des temples. Je te souhaiterai une bonne soirée, en demandant où tu veux dormir, quand même. Je te répondrai... Tu vas cacher où, Ova, parce que tu vas pas dormir au temple. Et c'est une très bonne question. Je trouverai forcément. Je sais grimper, et s'il faut, je me mettrai dans un nœud. Alors, avec la quantité de réfugiés, à mon avis, tous les nœuds vides, ils sont pleins. On va bien. C'est le faux, j'en ferai. Bah, au pire, t'as un peu d'argent si tu dois te payer une place dans une taverne, non? Ce qui me fait peur, c'est que je crains qu'il n'y ait plus beaucoup de place tout court. Mais ne t'inquiète pas pour moi, je suis... J'ai beaucoup de ressources. En tout cas, je me persuade. Si jamais t'as besoin, parce que... Alors, j'ai compris que c'était la première fois que tu venais à Alderaan, ça craint un peu la nuit. Bon, ça, après, ça dépend des quartiers, hein, c'est comme partout, mais faudrait pas qu'il t'arrive un truc. Tiens. Et je vais donner le médaillon de Guppel. Ok. Celui qui te permet d'invoquer la petite plateforme. La petite, mais c'est... Oui, dans les yeux de Guppel, tout est petit pour l'instant. Le truc est genre énorme. Je me suis fait transformer en loup, les gens ils étaient en mode on va le descendre. Là, il y a un arbre quand même de 50 feet et 9 mètres de large. Donc, ouais, mais si elle a besoin, elle sortira un petit peu pour le pop. Elle le mettra pas au milieu du quartier du temple, quoi. C'est très gentil de ta part. Je vais plus rester le fond. En soi, il s'étend après, donc si jamais t'as besoin, tu peux te mettre au milieu des bidonvilles dehors, trouver un trou et ça fera un parasol, quoi. Il n'a pas beaucoup d'emprise au sol. Bon, faut t'harmoniser avec, hein, par contre. Oh, bah ça, je m'en doutais. Allez, à demain, si les autres ont survécu chez Frôle. J'ai plus de crainte pour nous que pour eux. Ouais. On verra bien. Allez. À la prochaine. Je vais partir là-dessus. Sur ce, avant d'en arriver aux racines, on va faire la pause. Ok, ouais. Ça marche. Ok. Et ben on se retrouve dans 10 minutes. Yes, 10 minutes de pause. Tout de suite.
4. Nous sommes live. Nous sommes de retour. Let's go. Parfait. Du coup, avant de passer à Gupil, on va faire une petite scène de clôture pour Ova. Qui, dans le temple de Reya, tu vas croiser une petite prêtresse, Luma, du nom de Mira Ilcho. Il va t'accueillir à bras ouverts, après t'avoir vu prier. Et si vous êtes seul, mon enfant, ne vous inquiétez pas, nous vous mettrons dans un coin. Mais Alderheart est un peu dangereuse en ce moment. Alors, si c'est pour passer une nuit ici, il n'y a pas de problème, nous pouvons héberger les voyageurs portés par le vent. Si vous avez un quelconque souci pour la nuit, n'hésitez pas à me réveiller, j'ai encore quelques forces pour pouvoir me défendre. Et ce serait un grand honneur de mettre mes services au service du vent. Nous n'avons pas besoin de combattre. Seulement, personne n'est capable de se tenir. Enfin, c'est ce que nous espérons, en tout cas. Évidemment. Avez-vous une caisse d'offrande ou ce genre de choses ? Actuellement, nous ne permettons que les offrandes matérielles de, disons, des petits bibelots. Tout ce qui est nourriture est redistribué aux réfugiés. Je vais donner 2 rations. C'est très généreux. Nous pourrons nourrir sûrement quelques enfants. C'est malheureusement, je n'ai que ça. Je ferai certainement un aller-retour pour essayer d'en acheter un peu plus en repassant. Oh, c'est déjà très généreux. Ne vous forcez pas. Si je Merci. Me forçais, je ne le ferai pas. Merci à vous. Et du coup, elle te fait signe où tu vois en effet qu'il y a quelques coins. C'est entassé, il y a quand même d'autres réfugiés autour de toi. Mais voilà, tu sens que t'es dans une zone qui a l'air d'être quand même assez paisible. Au sein même du temple. Et ce que je veux dire, c'est que dans le couvert de la nuit, j'aimerais également aller déposer, pour le coup pas les donner, mais aller déposer 2 rations aussi devant, à l'entrée du temple de As. Okay. Mais pas les donner à un prêtre. Parce que je garde mes idées pour moi. Ok. Ça marche. Tu verras quand même un prêtre qui te regarde, un prêtre mapache, qui te regarde faire. Le poser, il ne dit rien. Je retourne à mon petit coin pour y passer la nuit, sur le qui-vive, si jamais. Ok. Pas très à l'aise. Ça marche. C'est la première fois que tu dors dans un endroit quand même aussi encombré. Mm. C'est très particulier. Très très particulier. C'est comme si t'étais dans une chambre avec 150 personnes. J'ai mal dormi, hein. Je m'y attendais. Gupil. Sur ce, alors que tu commences à t'enfoncer dans les branches, dans les racines, bien que celles-ci soient assez connues pour leur pénombre, tu vois que... Il y a eu un effort qui a été fait sur l'éclairage depuis que tu es parti. En tout cas pour les premières. Alors que tu descends, tu remarques que les premières baraques des racines ont l'air d'être assez bonnes. Contrairement à ce que tu as connu, où tout était assez décharné, assez cassé. Une certaine richesse s'est emparée des racines. Mais plus tu t'enfonces et plus tu reconnais... ce que tu avais l'habitude de voir. Tu passes devant plusieurs bâtiments, dont un qui t'attire l'œil, nommé au Lampion Rouge. Un bâtiment fermé et une simple lumière rouge à l'extérieur. Est-ce que ça m'a l'air d'être un lieu de prostitution ? Tu sais pas. Cupil ne va pas rentrer. Ok. Passe devant. Continue. Il y a autre chose. Tu
passeras devant une taverne où des gens ont l'air d'en sortir dans des états plus ou moins sobres. Cette taverne, tu l'as connue comme un endroit perdu, paumé, où pas grand monde n'y était. Les poivrons du coin. Là, c'est comme si une ruche s'était emparée de l'endroit. Beaucoup de mouvements, mais du mouvement erratique, peu organisé. Sur cette taverne, qui s'appelle Au Rat Fauché, tu reconnais du coup l'écusson d'un rat portant une faux. C'est dû à l'arrivée d'émigrés, ce développement, a priori. Les personnes qui sortent ont l'air d'être vraiment des gens des quartiers des racines ou des gens plutôt de Winnow Ridge, d'Ashen Barrow. Ce sont à la fois des réfugiés et à la fois des gens d'ici. Ok. Mais le point commun que tu reconnais avec ces gens-là, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Ça, je m'y attendais. Je vais passer mon chemin et je vais m'enfoncer bien profondément pour aller voir chez mes parents. Yep. Et tu arrives du coup devant... Étrange. Tu t'attendais à une masure, un endroit pauvre, mais la porte a été rénovée, l'aventure a été rénovée. Et... cette petite bicoque qui avait des années de passé et des trous dans le plancher a l'air d'être salubre, propre. Et tu vois même, à côté de l'entrée, ce qui ressemble à une petite devanture, fermée actuellement. Dans salubre, il y a Saltar et ça m'inquiète. Non. Le début. Il y a salle aussi. J'ai toqué à la porte. Hello. Est-ce que j'ai mes clés? Tu as tes clés. Bah après avoir toqué, si j'attends de quelques instants à voir s'il y a une réponse et sinon j'en trouverai. Tu entends gratter derrière la porte et tu entends un loquet, puis un autre loquet, puis un autre loquet. Et la porte s'entrouvre légèrement. Et tu reconnais, du coup, juste dans l'entrebâillement, l'œil de ta mère. Qui immédiatement... Salut. Cupil? Oui, je crois que c'est moi. Je peux rentrer? Elle ouvre la porte en grand et t'étouffe. Ah! Alors, c'est plus pratique d'être droit, en fait, pour ça, c'est vrai. Bah, du coup, je vais la serrer dans mes bras aussi. Encore quelques cervicales qui vont craquer, probablement. Mais... Oh, mon enfant, mais tu n'es pas à l'académie ? Non. En fait, je suis parti dans un grand voyage initiatique avec mon maître. C'est un professeur de l'avium. C'est une sortie de terrain, si tu veux. On apprend plein de choses. Et t'as bien reçu tout l'argent qu'on t'envoie ? Oui. D'ailleurs, il faudra que je vous pose une question dessus. Je peux rentrer, maman, s'il te plaît ? Oui, bien sûr, oui. J'ai refermé derrière nous. Alors que tu rentres, tu remarques beaucoup de tissus, ce qui ne t'étonne pas, de qualité assez bonne, et il y a une certaine richesse que tu n'as pas connue chez toi. Pourtant, tu vois aussi autre chose. Sur le visage de ta mère, marqué. Et en effet, à la première vue, c'est ce tissu de bonne qualité, mais tu vois aussi du tissu de très mauvaise qualité. Mal tissé. Et ça te rappelle plus ce qui est proche de toi. Ça a l'air de bien marcher les affaires en ce moment. Oui. Mais ils viennent d'où ces beaux draps?
Ils ont été fusillés. Non. Ton père s'est mis en tête qu'on pouvait faire de l'achat et de la revente. Mais ça doit vous coûter super cher d'acheter ça et vous devez les revendre pas cher du tout ici. Il n'y a que des pouilleux dans le coin. Pas que des pouilleux, enfin un peu de respect pour nos voisins. Mais non, mais je veux dire, c'est un état de fait. C'est... Et on en parlera à ton père quand il rentrera. Pourquoi il est où, là? Il tient pas le magasin? Non, il est en train de refaire le plein. Mais il y a encore plein de marchandises? Tu la vois juste qui se tourne et se dirige vers la cuisine. Ouais. Quand maman elle va dans la cuisine, c'est pour préparer des oignons en général. Je sais parce qu'elle est toujours en train de pleurer quand elle revient. Bon bah... Je vais faire un tour du magasin, je vais regarder ce qu'il y a, regarder un petit peu les prix et... Fais-moi un jet d'investigation. Faire ce que je fais de mieux, mettre mon nez partout. Yep. Investigation, ça tombe bien. Détail là-dessus... Enfin c'est sûr, j'ai écrit des... Tu sens un souvenir de quand t'étais jeune passé, mais il t'échappe. S'il y avait un jet de la science que je devais réussir, c'était lui. Ton Antoine d'Intel, c'est l'équivalent du score d'Intel de Frôl. Yikes. Non, il est même au-dessus. Je crois qu'il est à 8, Frôl, il me semble. Non, il est à 6. Oh, il est à 6. Quoi que tu fasses, tu pourras pas faire pire que lui. C'est facile, mais... en fait. Putain, c'est incroyable. Tu surestimes Frôl. C'est incroyable. Attends, je regarde si je peux pas bullshit. Non, je sais pas ce qu'il faut pour bullshit. Nope. Ne cherche pas, de toute façon, je te l'aurais pas. Vous avez sué 100 euros pendant des années pour que je puisse faire mes études de magie. Maintenant, je commence à les maîtriser et je suis plutôt bon avec. Alors, je pense que c'est le moment où je peux commencer à vous rendre l'appareil quand même un petit peu. Tu le vois qui jette un œil vers le tissu. Essuie ses yeux. C'est quelle famille qui vous le file? Non. Je n'en sais rien, d'accord. Si tu veux en parler, parle-en avec ton père. Mais je bah oui, rien mais il n'est pas là faire. Et tu veux pas me dire où il est, donc en fait, du coup, j'en il, parle avec il toi. Reviendra, il reviendra, quoi qu'il arrive, il revient toujours. Mais parle-en avec ton père quand il rentrera. C'est... Moi, je ne peux pas. Bon. Bah... Du coup, si tu veux, on peut parler du mine. C'est mon maître. Ah, oui, oui, bien sûr. C'est à son effigie que j'ai fait la petite chouette là qui me suit, qui s'appelle Muin. Je lui apprends à faire semblant d'être grabataire. Oh. Ton professeur est si vieux que ça? Alors, il est pas si vieux, mais en fait, il a toute cette espèce de théâtrale autour de lui où il met sa main dans le feu et dit qu'il l'a oublié. Est-ce que tous tes professeurs à l'avium sont comme ça? Alors, en soi, Humin, il est plutôt cool qu'un professeur. C'est pas comme le vieux monsieur Radibek. Mais, il y en a qui sont mieux, il y en a qui sont pires. Après, Humin, c'était celui qui était prêt à me prendre sous son aile pour qu'on aille voyager un peu partout. Et on est allé jusqu'à Winnowing Reach, même un petit peu plus loin, en fait. On a fait un tour jusqu'au Mogden, d'ailleurs. Hyper intéressant, là-bas. Oh, tu peux me raconter tes aventures? Bah oui. En vrai, ça vous dirait pas un jour de plaquer tout ça et on va prendre une petite maison à Winnowing Reach? Je connais des gens là-bas. Ça sera moins pourri qu'ici, en vrai, on peut respirer. Pas que chez vous soit pourri, mais juste le quartier des racines. Écoute,
Depuis peu, nous avons un représentant qui fait en sorte que tout se passe pour le mieux et que nous soyons mieux représentés. Et tu crois que ça va s'améliorer avec tous les réfugiés qui arrivent ? Je sais pas. Je sais pas. Bah, moi, je sais, je peux te dire que non. En vrai, il vaudrait mieux partir maintenant. Ce n'est pas l'argent, et puis partir vers Winnowing Reach, est-ce que c'est sûr ? Nous sommes à Alderheart, il y a quand même des gardes, il y a quand même des gens, peut-être... Je sais. Je veux croire en ce conseil qui fait tout son possible pour nous aider. Mais écoute, j'espère que t'as raison, hein, et que j'ai tort. Et du coup, tu entends la porte d'entrée qui s'ouvre. Et tu la vois à ce moment-là qui... essuie ses larmes. T'arrives juste à temps. Ton fils est là pour le repas. Papa ! Tu vois juste ton père, fatigué, portant une grosse caisse. Et... oh ! Oh, fils, oh, qu'est-ce que... oh, 10 de Tensor. Il prend pas une minute à cast. Alors, j'ai pas besoin de le ritualiser en raison de mon école. Faut juste que je vérifie le petit... Une action. Ok. Une action, bon, j'utiliserai ma compétence de scribe, en fait, pour le cast en une action au lieu de 10 minutes et une... enfin, 1 minute et une action. Yep. Enfin, 10 minutes et une action, pardon. C'est ça. Donc il y a un petit disque joliment ouvragé avec des formes de guesmé tout autour, comme ciselé sur le périmètre. Et en fait, je vais m'arranger pour que les formes de guesmé, si tu regardes d'un petit peu loin avec un angle un peu particulier, de ces façons anamorphoses, elles forment une tête de renard. Okay. Si tu regardes le disque avec le bon angle, tu verras que en fait, les ailes des chouettes forment les oreilles, la circonférence du museau, etc. Yep. Ok. Et... tu peux lâcher la caisse, c'est bon. Tu veux que je te la dépose où ? Oh, là, avec les autres. Et... oh, bah, dis donc, c'est pratique. Bah, vous voyez, vous avez pas payé mes études pour rien, au moins. Je peux vous aider. Oui, bien sûr. T'as bien reçu l'argent, hein ? Oui. Tant mieux. Guppy se renfrogne un peu. On s'est bien occupé de moi à l'avion. Tu vois juste ta mère qui... bon, vous avez sûrement à rattraper, moi, je... et tu la vois juste qui débarrasse son assiette, s'en va dans la cuisine. Et tu vois ton père juste te tourner. Oh, il est si froid. Tu vois qu'il vient se poser à table, mais il n'y a pas de bouffe. Oh, reviens. Lève, reviens un peu plus tard avec une épée. Ouais, raconte. Alors, petite David. Question. Oui. Est-ce qu'il y a que moi qui entends un peu mal Zafka de ouais, temps, ou... enfin, ouais, quand, c'est juste que quand tu te recules pour certaines phrases, tu étouffes un peu. C'est comme si le... La technique, c'est juste quand tu te mets au fond du siège. Ok. Arrête de bouger. Tu bouges trop. Pense que tu es baron. Ça marche. Figé. Je suis figé. Non, tu n'es pas figé, c'est juste pour te troll. Oh putain. C'est le temps de reset la cam, hein. Moi je suis... J'avoue, tellement actif. Yep. Ok. Et bah écoute, là après quelques années, je suis pas... En fait là je suis parti en voyage avec un de mes professeurs, Humin. C'est... acolyte de Guesmé, on est d'accord ? Ouais. C'est un acolyte de Guesmé qui fait de la magie. On est parti voyager un petit peu pour découvrir le terrain et mettre la magie en application un petit peu. Que c'est bien d'étudier, mais le but c'est que ça soit utile, quoi. Ouais, comme t'as fait pour la caisse, c'est ça. C'est ça. Justement, ce sort, je l'ai appris récemment. Je me suis dit que ça pourrait être utile dans la boutique si jamais j'étais amené à vous passer un coup de main comme aujourd'hui un de ces jours. Écoute, on va bien.
comme tu vois, on va bien, tout marche bien. J'ai pu un peu réparer la maison. On a eu quelques financements. Bon, les réfugiés qui arrivent, c'est bien pour nous. C'est bien. On peut revendre du tissu assez facilement. Ils ont toujours besoin d'habits. De toute façon, ils en ont plus. Donc, ils ont de l'argent pour l'acheter, le tissu, pour les habits ? Oui, okay. Ça, il n'y a pas de problème. Ah bah c'est bien. J'ai vu que vous aviez pu agrandir un peu le commerce, même récupérer d'anciennes caisses, là sans doute à des concurrents. Non, ça c'est juste de l'échange, en fait. Je revends, tu vois, un peu de matières premières ou ce genre de choses, et puis à la place, tu vois, plutôt que me payer directement, on me passe des caisses de tissu, et puis du coup, on les revend après avec ta mère. D'accord. Mais du coup, pourquoi vous effacez les anciennes estampes pour mettre la vôtre, si c'est de l'échange ? Bah, justement, tu vois, c'est pour... Papa, pour... j'ai fait des années d'école de magie, je suis pas débile. Même si j'aime beaucoup de jouer comme ça avec les gens. Ok, écoute. On nous paye avec du tissu. Et on peut revendre le tissu. Mais qui te paye avec du tissu pour quel genre de prestation commerciale? Puisque toi, à la base, t'es spécialisé dans la vente de tissu. Donc ça m'étonnerait qu'on te donne du tissu pour du tissu. Allez dans la cuisine. Toi qui se rapproche. Ça va très mal, d'accord. Allez. Ça, j'avais compris. J'ai dû... On s'est endetté. Beaucoup trop. Alors, plutôt que vendre... C'est pas contre ta mère, mais... Son tissu, ça se vend pas. C'est pas de la bonne fabrique. Notre métier à tisser, il est pourri. On n'arrive à rien. Il y a des trous, il y a des faux, enfin bref, c'est pas bon. Vous êtes endetté auprès de qui ? Non. Ah, bon. Tu sais, tu peux me dire, en soi, c'est pas de connaître un nom qui va faire grand-chose. Si. Ici, oui. Je suppose que tu restes pas... Ça tombe bien, je vis pas ici, je suis juste de passage. Tu le répètes pas. Bah non. Tu n'as jamais entendu ce nom, d'accord ? Quel nom ? Queen Ricker. Le nom ne dit rien, je suppose. Absolument pas. Tu n'as jamais entendu parler de ce nom. Mais du coup, tu fais quoi en fait pour cette personne dont j'ai déjà oublié le nom ? Parce qu'il te donne pas les caisses gratos, hein, je pense. Je fais du transport pour lui. D'accord ? On prend un paquet, on demande pas ce qu'il y a dedans, on l'amène à un endroit, et c'est tout. Et du coup, on est payé en tissu. Tissu qu'on peut revendre. Ouais, je vois. Et on cherche pas à savoir d'où il vient. Vous restez hors de danger. Hein. Boss, y'a pas de problème. On a déjà quasiment fini de rembourser la dette. Quasiment. J'ai peur que ce genre de dette là, on finit jamais vraiment de les rembourser. C'est ce que me dit ta mère et elle veut que j'arrête. On peut pas arrêter. Pas comme ça, pas maintenant. Non, ça c'est certain. Et puis ça ramène de l'argent. Sincèrement, on n'a jamais été aussi bien. Alors. Vous êtes sûr que vous êtes bien là ? Non, parce que la boutique elle est belle, mais ce que je sens quand je rentre, c'est pas de la beauté. Hein. Elle fera avec. Quand ça sera fini, c'est bon. Faut juste que ça passe, quoi. C'est la crise, c'est tout. J'espère
super. Ça ramène de l'argent, ça ramène de la nourriture. Écoute, on peut pas demander plus, nous. Faites gaffe quand même, parce qu'autant pour l'instant la garde elle est occupée avec les réfugiés, autant quand ça va commencer à se tasser, elle va commencer à vous traquer. Hein. C'est bon. Ça craint rien. Ouais. Puis bon, parfois ils nous donnent de l'argent directement. C'est aussi ça qui paye tes études. Vous pouvez pas continuer comme ça non plus. Si j'avais su que ce serait à ce prix-là. Non. On est fiers de toi, t'es notre fierté, d'accord ? Mais moi aussi je suis fier de vous, mais du coup c'est pour ça les têtes de crâne. Quoi ? Les têtes de crâne sur les pièces d'or. Quoi, les têtes de crâne ? Mais envoyez, je vais lui sortir les 10 PO qui me restent. Enfin les 10 PO qui me restent. Ok. Ouais, bon, bah ils sont marqués. Et alors ? C'est de l'argent. Enfin, de l'argent, je veux dire le matériau, l'argent. Pas l'argent, le truc avec lequel on échange. Okay. Prends la pièce, un peu tremblant. Il ne sait rien. Non, mais ça, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'en fait, si vous payez comme ça, ce monsieur... Non, mais il faut juste demander d'occuper le prix, parce que c'est de l'argent, c'est pas d'or. Stop. Il ne nous paye pas, d'accord ? Non, il ne vous paye pas. Mais c'est juste que si vous payez, je pense que ce serait peut-être le moment de demander une augmentation, en fait. N'existe pas. Non. Non. C'est mieux comme ça. Alors, c'est mieux pour lui, oui. Pour vous... C'est mieux comme ça. Bah, je préfère juste vous prévenir que si jamais vous payez des gens avec ça, que vous vous faites choper, c'est vous qui allez avoir les emmerdes. C'est pour ça qu'on prend du tissu. Je l'ai récupéré. Fais attention, ici. Si tu les utilises. Je compte pas les utiliser. Bien. Je compte les garder pour me souvenir de pas faire des mauvais choix. Le jour où j'ai envie d'en faire. Et pour me rappeler qu'on est capable de faire des très mauvais choix en voulant faire des choses très bien. C'est un peu paradoxal. Parfois on l'ajuste pas le choix. Je suppose que t'es comme ta mère, que vous voulez pas vraiment comprendre. Et tu le vois qui se lève et s'en va un peu plus loin où tu vois une sorte de canapé qui est tiré comme un lit. T'as toujours ta chambre à l'étage. D'accord. Permettez que je dorme ici cette nuit. Tu restes notre fils. Ah ben, j'espère bien, parce que vous restez mes parents. Tant que j'y suis, le disque va rester un petit peu. Je peux vous ranger des trucs ? Ça évitera que tu t'esquintes le dos encore. Si tu peux nous aider d'une manière ou d'une autre qui ne nous fait pas forcer, je suis. Ouais, bah je peux déplacer mettre toutes les caisses là-bas dans le coin. Je peux déplacer jusqu'à 500 livres en fait, donc on peut y aller. Hein. Oh, waouh. Ouais, bon, on va pas faire grand ameublement maintenant, mais. C'est très gentil. Demain, faut que je parte tôt. Par contre, je suis attendu à l'aube au conseil. Il m'est rien arrivé de grave. On a des nouvelles d'Ashen Barrow. Le village s'est fait raser. Ouais, j'ai cru comprendre. Il y a beaucoup de réfugiés qui viennent d'Ashen Barrow et des petits villages alentour. Oui, beaucoup de bandits aussi dans la région. Enfin bref, on doit aller voir le conseil. On a des entrées. D'accord. Y a un truc que tu veux que je fasse remonter tant que j'y suis ? Non, rien, c'est bon. Ok. T'inquiète pas, ça restera entre nous la conversation de ce soir. Et
pas un mot à ta mère. Elle ne veut rien savoir. J'ai cru comprendre qu'elle était un peu stressée par le sujet. C'est mieux comme ça. Elle ne craint rien comme ça. Ouais, enfin, fais attention à toi aussi quand même. Hein. Parce que c'est bien de protéger les autres, mais faut se protéger soi-même aussi à un moment. Bah, du coup, bonne nuit. J'essaierai de repasser demain dans la journée avant d'y aller pour vous aider avec la boutique. Si tu souhaites repasser, avec plaisir. Ça marche. Allez, dors bien. Ouais, je vais monter à l'étage dans ma chambre. Ok. Sur ce, est-ce que n'importe qui a encore des choses à faire cette nuit ou pas? Je préciserai juste avant de me coucher que pour la première fois depuis très longtemps, Gupil ne va pas ouvrir son grimoire avant de se coucher. Ok. Il va y aller direct. Tu ne sentiras absolument rien venir de ton grimoire, qui de temps en temps vibre, de temps en temps a envie d'agir. Et aujourd'hui, en tout cas ce soir, il n'a pas envie d'agir. Et il va rester congédié pour l'heure. Humine va manger donc avec la famille de Frôl avant de se diriger au temple de Gismé pour aller dormir. Ok. Sheratan, t'as pas forcément un point d'ancrage? Est-ce que tu veux rester dans la famille de Frôl qui peut t'accueillir avec plaisir? S'ils veulent bien de moi, moi ça me fera plaisir, mais à la limite, j'aurais peut-être un truc à faire avant l'aube, essayer de me lever un peu plus tôt. Il se passera quelque chose pour toi avant l'aube, et pareil pour Rova. Donc c'est pour ça que je vous demande si vous avez encore une dernière chose à faire ou pas. Je vais mourir. Let's go. Toi aussi dans le temple. C'est marrant, je suis presque sûr que c'est un lien avec les mêmes personnes qu'on a rencontrées devant le conseil. Du coup, on va commencer par Sheratan. Sheratan, alors que tu t'endors dans un canapé dans la famille de chez Frôl, tu dors profondément jusqu'au moment où tu sens quelque chose de tranchant, quelque chose de pointu au niveau de ta gorge. Qu'est-ce que tu fais? Je fais semblant de dormir. Et j'attends de voir si la personne parle ou fait quelque chose. Tu sens que ça coupe un petit peu? J'ouvre les yeux. Tu vois ta sœur? Et elle était en fait avec une pointe de flèche. Ta gorge. Et tu la vois juste pointer vers l'extérieur et tu vois que la fenêtre est ouverte de chez Frôl. Je vais me lever et sortir. Et je vais laisser ma masse là. Parce que je veux pas faire du bruit et la transporter. Par contre, j'ai le cimetière. Je prends mon cimetière. Tu sors et c'est la première fois vraiment que tu remarques. L'entraînement de ta sœur a dû payer car elle est très silencieuse. Il n'y a pas un bruit dans ses pas. Il n'y a pas un mouvement de travers. Tu suis un peu comme tu peux. Un petit peu de bruit, mais ça va, t'as quitté l'armure pour dormir, donc c'est que du tissu. T'arrives dehors. T'es amélioré, t'es presque plus forte que moi maintenant. Yes. Je vais demander à tout le monde de mute, sourmute, sauf du coup toi. Et voilà, que le stream soit au courant. Et je vous écrirai dans Roll20.
tu verras Hero demain. Parfait, on fait ça. Ouais, je te l'envoie. Et il a intérêt à être au taquet. Oh. Parce que s'il est pas legit, ça peut nous retomber très fort sur la gueule. T'inquiète, je vais sortir la pierre. Oh, et Tu peux le contacter, hein. Ouais, mais fais gaffe à qui tu parles. Par la personne à part à toi et à lui. Ouais. Et la famille de... Famille de Bélénie et d'Ova, bon... Ça reste quand même des serpents. Ils ont des yeux et des oreilles partout. Faire attention. Ouais. Toi aussi. Moi, j'étais jamais là. Et elle se barre. Et Jaratan va juste sourire et se dire « Ça, c'est ma famille. Ça, c'est une hashtag. » Et rentrer. On est d'accord que quand on parlait de la maison où elle avait planqué des choses, elle parlait de quelle maison ? Non, de la maison où elle avait piqué des choses. Ouais, piqué des choses. Oui, mais elle a laissé... Ah, elle a laissé une marque quelque part et t'as pas dit où. Ok, mais c'est la maison dans laquelle je suis. Peut-être. Ok. Moi, je vais juste aller me coucher. Ok. Ça y est. Oui. Bah, mon reroll a été accepté. Très bien. J'espère que j'ai Gérard, la souris alchimiste, qui va faire la plague dans toute la région, est avec nous alors. Yep. Mais alors. Elle est pas de retour encore. Attends, je vais lui mettre un message dans Humblewood, je pense. J'ai ping. Il a pas le son, il a rien. Du coup, Ulysse, je me remène avec mon Warlock. Ah merde. Mais c'est moi qui joue Warlock. Bah, moi aussi. C'est nouveau ça, tu devais pas jouer Ranger. Quelqu'un pingue les rapidement pour qu'il revienne. C'est bon, il est là. Il y a tout le monde se fait Nel. Mais il est mute, faudrait qu'il fasse attention. Oui. Il a fait le double thumbs up, c'est bon. T'es en double mute, mais c'est pas grave. Oh. Nickel. C'est bon, je suis là. Voilà. Ok. Moi j'ai pas rendu de casque avec le stream, je suis obligé d'enlever le casque du coup. Ouais. Yep. Bah du coup t'as pas le Ah j'aurais... Non. Ova, je retire ce que j'ai dit, il ne se passera rien pour toi cette nuit. Tu vivras une heure de plus. Un jour de plus. Ça sera au matin. Ou sortant du temple, tu verras ton frère. Qui t'attend, posé, assis au milieu de la. Enfin, au niveau de la fontaine qu'il y a au milieu de cet endroit. De ce quartier. En sortant du temple, en le voyant, je vais re-rentrer discrètement. Mais poussiérer le plus possible. Et moi, j'ai de discrétion. et sortir. Et je suis même pas sûr parce que je sens que je vais rendre un truc claqué. Après, j'ai une bonne stealth, mais. Mais le but, c'est vraiment que. Ok, moi, enfin, je suis juste extrêmement discret. Gagne du temps. Et je me proche le plus possible et je ressors comme s'il ne s'était rien passé. Ah, t'es là. Ouais, fallait que je te parle un petit peu de la maison quand même. S'il le faut. Bon, je vais pas te le cacher, ça va très mal. Sur nos 4 bateaux, il nous en reste plus qu'un. C'est ce que j'ai cru entendre déjà avant de partir. Yep, et on sait pas vraiment ce qui se passe. En mer, à Saltar, enfin bref. C'est particulier. Et c'est aussi pour ça que je suis parti chercher les druides, Hbaron. Pourquoi ça aurait à voir avec nos bateaux? La mer, c'est la nature, et c'est le truc avec lequel j'ai le plus de connexion. J'avais juste l'impression de pouvoir faire quelque chose là-bas, quoi.
sais quoi, au point où j'en suis, suis ton instinct. Je te fais confiance. C'est... Ne le dis pas deux fois. Hein. Ça va très très mal. Si tu veux... Et tu vois qu'il se penche. Je pense qu'on peut encore payer les hashtags pendant un mois et demi. Après ça, on n'a plus rien. Alors, on a plus de tissu d'export, on a plus de... Ben, ça se passe mal. C'est vraiment juste l'export, le souci ? Non, nos verres à soie sont malades aussi. Je pense que ça a à voir avec la chaleur étouffante, mais... Ça... Ils produisent plus, presque plus, en fait. On n'a pas des contacts ou des gens qui peuvent nous aider par rapport à ça ? Il n'y a plus de faveurs ? Alors, on a toujours quelques faveurs qui traînent par-ci, par-là. Si jamais ça part vraiment en cacahuète, je suppose qu'on peut, les utiliser, mais il faut vraiment attendre. Après le conseil, je passerai à la bibliothèque des druides. Il y a peut-être des informations sur ce qui se passe en mer. C'est un savoir antique et même si c'est plutôt récent, on ne sait jamais. Peut-être. Je sais pas. Le vent m'amène dans des directions qui mènent en ce moment et j'ai l'impression de pouvoir faire quelque chose. Les étoiles aussi. T'as toujours été doué pour tout ce qui était l'instinct, etc. Franchement, ça me passe un peu au-dessus, je dois t'avouer. Je comprends pas trop ça. Voilà, j'essaye de soutenir la famille, de garder la prestance. Et pourquoi t'as été envoyé à Alderheart ? Si je fais partie des Talons, ça nous donne un point d'ancrage dans ce qui est quand même ce qui se fait de mieux en termes de soldats. Je veux dire, j'ai été chevalier, c'est bien. Ça a continué le titre de noblesse. Je suis prêt à prendre la suite de mer s'il y a besoin. Mais je voulais plus, quoi. Mieux. Encore mieux, représenter la famille. Avoir un symbole, quoi. Quelque chose qui nous aide, qui nous donne des faveurs en plus, de l'influence en plus. Quelque chose qui peut-être peut nous donner déjà aussi un... On est à Brackenmill, on est loin de la politique. Si on peut mettre un pied dedans... C'est autant un avantage qu'un désavantage, si j'ai bien compris. Bah actuellement, ça serait sacrément un avantage, si tu veux savoir. D'accord. Et t'as pas besoin de ça, c'est... Mon objectif. Ouais, mais... Il coïncide franchement avec le mien. Autant élargir nos options. C'est ce qu'on t'apprend très très vite en tant que talent. Le mieux... Plus il y a d'options, mieux c'est. Je me présenterai sous le nom familial... Même si... Enfin bon. Je me présenterai sous le nom de familial devant le conseil. Peut-être que ça nous aidera un peu aussi. J'ai vu la lettre, j'ai vu ce que ça apporte. Ça peut apporter des choses. Par contre, évidemment, tu ne m'as pas croisé. Sinon, ça serait du trafic d'influence. Évidemment. Et du coup, oui. Si jamais la duchesse n'est pas au courant, tu peux omettre ça dans ton prochain rapport, ma présence. Même si j'imagine que paraître dans le conseil sera plutôt visible. Je peux être sûr que Mère sera au courant. Tu sais comment elle est, elle a des yeux et des oreilles partout. Déjà quand on était petit, qu'on faisait une bêtise, elle le savait avant même qu'on la fasse. Oui. Pardon. Je dois y aller, mais... Nous...
Nous parlons de choses plus joyeuses une fois. Ce soir, trouvons une taverne, un endroit. Où est-ce que vous allez boire avec les Talons? Oh, un peu partout, je dois t'avouer. On a un petit troquet caché au Canopy Market, mais plus réservé aux Talons. On y va en civil, histoire de pas se faire repérer. Et sinon, oh, la cruche en bois. Franchement, c'est juste l'endroit. C'est blindé en ce moment, mais ça passe encore, on peut se tasser. Si on arrive assez tôt, généralement on a une table. Et on se dit, je sais pas, 17-18 heures à la cruche en bois. Ouais. Je viendrai et peut-être que les autres me suivront. T'auras une table de réservée à cette heure-là. On fait comme ça. Et ne t'inquiète pas, ton épée sera réparée. Pas tout de suite, mais... J'espère bien. J'y tiens, celle-là. C'était celle qui m'a fait toute mon éducation, je te rappelle. C'est pour ça que l'ai prise, hein. Oui, j'aurais bien voulu la garder en tant que souvenir et trophée. Elle a tué un démon. C'est ça. Tu ne crois pas ? Non, elle a tué un démon. Bon, t'as pas rendez-vous, toi ? Oui, mais maintenant, je suis vexé. Et je vais partir. Il a même pas voulu faire un jeu d'inside pour savoir si je mentais ou pas, alors que c'était pas vrai. Et je pars. Je suis vexé en tant que joueur et en tant que personnage. Il est double vexé. À 17h. C'est ça. Allez. Et sur ce, tu commences à monter au conseil pour tous les autres. On va commencer. Roll chez Ratan. Le matin arrive. Matinée classique. Et chez Ratan, tu reconnais pour le coup quelque chose d'assez militaire dans la préparation du petit-déj. Genre, à 6h, tout le monde est levé. À 6h05, le petit-déj est prêt. Et tout le monde est quasiment à table. Et en vrai, chez Ratan s'y accommode parfaitement. Il levait sûrement un peu plus tôt au cas où, mais... Il suit les ordres, il écoute. Le lit au carré, tout bien, tout comme il faut. Le lit au carré, c'est à 6h15. Je l'ai fait à 6h14. C'est pas bon. Tu vérifies que t'es pas des plis. Ouais. Et sur ce, du coup, vous pouvez sortir ou discuter si vous avez encore un petit peu de temps, mais puisque vous êtes plus près. Pas trop stressé, Frôl ? Bon, non, pas trop. Enfin, un peu quand même, c'est les anciens, c'est... Oh, mais t'es un gentil garçon, tu te tiens bien, bien droit, et tu réponds aux questions, c'est tout. Oui. Ah, d'ailleurs, maman, oui. Est-ce que t'aurais, par hasard, quelque chose qui fasse un peu plus propre que j'ai sur moi ? Parce que bon, je t'avoue que on est parti de Winnowing Reach, on a fait un chemin direct et on s'est pas beaucoup arrêté pour se laver. Je sais. Et tu la vois partir chercher dans les affaires que tu sais, c'est les affaires de ton père. Et ressortir une armure de cuir qui est du coup assez basique mais propre. Très très propre. En voyant l'armure, je suis un peu la gueule, je suis non, pas une armure. Oui, oh, je la mets parce que ça fait propre, ça fait prêt. Enfin, ça. J'ai jamais trop aimé les armures, tu le sais bien. Regarde comme ça te va bien. Ouais, puis celle-là, elle a du vécu. Elle est bien, hein, tu verras. Le cuir, il est bien souple. Ça amortit bien aussi s'il faut. Top. Ouais, on verra. Elle m'a bien servi. Ouais, j'en doute pas. Pas tout ça, mais vous feriez bien d'être à l'heure, voire même en avance. Ouais. Merci de votre accueil. Le soleil est à peine levé. Oui, ça sera bien. Y a pas de problème. Les amis de notre fils sont toujours la bienvenue à la maison. Parfait. Et au moment où on sort, Frôle, si tu veux, j'ai un bijou qui t'irait parfaitement et qui te donnerait un peu de prestance. C'est quoi? C'est un collier.
Fais voir si ça, gêne pas mon insigne, ça passe. Et je vais sortir un collier avec le symbole des hashtags. Il y a du gros branding du groupe. Mais vraiment, genre, le collier bien fait avec le petit symbole et tout. C'est... Yep. Ça match très bien avec tes plumes. C'est une tête de si bélier. Tu le dis. Oui, si tu le dis. Par contre, il va falloir vraiment qu'on parle de cette obsession pour la ressemblance avec vos têtes. Puis, en même temps, je regarde le collier, tu sais. C'est par rapport à un dieu, mais oui, oui. Ah. Je te raconterai, si tu veux, l'histoire à l'occasion. C'est le type dont tu nous parles à chaque fois. Le dernier né, Amal. Ah ouais, c'est ça. C'est lui. Ta mémoire s'améliore de jour en jour, Frôle. Non, mais t'en parles tellement souvent qu'au bout d'un moment... J'ai combien de doigts? Techniquement, t'as des doigts ou t'as une... Enfin... Sur ce, on y va. Sheratan a abandonné au moment où il a posé la question. Dans 5 heures, il va lui reposer la question. Alors, j'ai combien de doigts? Est-ce que tu t'en souviens? Je passe rapidement à Goupil. Goupil, lorsque tu seras réveillé, tu verras ta mère, bien habillée, t'es un peu ce qui avant aurait sûrement été ses habits du dimanche, par exemple. La devanture ouverte, et qui est déjà en train de vendre du tissu. À l'entrée. Ton père n'est pas là. Salut maman, je peux t'aider avant d'y aller? Non, si j'ai bien compris, t'es pressé, tu devais partir au matin. Je voulais quand même te laisser dormir, écoute, tu reviens à la maison, ça m'a fait plaisir. Attends, il est quelle heure là? Il est 7h30. Oh bordel! Salut! Est-ce que tu pars avec un toast dans la bouche? Ouais, dans la bouche. J'ai le toast dans la bouche, j'ai un morceau de bacon qui dépasse de l'autre côté, et je suis complètement ébouriffé, si on dirait que Goupil, il est tombé dans la flotte, et on lui a passé un coup de sèche-cheveux. Oh, Sailor Goupil. Sailor Goupil. Dans ton sac comme ça, là. Oh, Goupil est une anime girl, mon dieu. Quelle horreur. Comment ça, quelle horreur? Pourquoi tu joues à Dungeons & Dragons? C'est pour ça les Healing Words. En fait, Goupil, c'est un barde. Et oui, tu as percé mon vrai secret. Tiens, t'aurais dû partir en... Sur ce, une demi-heure pour traverser Alderheart et arriver jusqu'au conseil. Tu l'as pas forcément déjà fait, tu sais que c'est jouable. Mais... Pourquoi elle m'a pas réveillé? Pourquoi elle m'a pas réveillé, cette gourde? Putain. Gotta go fast, fast, fast. Gotta go fast. À quel point je peux me booster? Tu sais, tu vas avoir Goupil sur son putain de disque de Tensor à 200 mètres. J'ai pas le droit. Si moi je monte dessus, ça reste... Retreats. Yep. Oh mon dieu. À quel point je peux utiliser Muin pour me boost? Je peux pas, lui. Il est aussi inutile que l'original. Il crie sur les passants pour te laisser une ouverture dans la foule. En fait, il fait comme les mouettes, okay. Et il va taper dans leur sandwich. Il y a genre des conducteurs de pousse-pousse, entre guillemets, taxis, des gens qui permettraient d'aller plus vite en utilisant leur service. Pas vraiment, mais tu sais qu'en passant par les passerelles plutôt qu'en passant par l'intérieur, tu pourrais aller plus vite. Okay. Ça te ferait gagner du temps. J'ai passé par les passerelles. En utilisant Thaumaturgie, c'est pour gonfler ma voix en gueulant « Hors de mon chemin !» Tu passes tellement vite que les gardes n'ont pas le temps de dire « Oh, ça va pas de gueuler à cette heure-là » « Poussez-vous ! Je suis attendu au conseil !» Il y a de la fumée derrière lui. de la poussière. T'entends du pile. De notre côté, t'as Humine dans l'ascenseur. « Mais il est con, cet enfant !» Pensant à Humine, ta. Humine, toi, t'es sûrement genre 4 ou 5 ascenseurs plus haut, tranquille, hein, tu montes tranquillement et t'entends de temps en temps quand ça passe au niveau d'un ascenseur dans le même sens que toi.
Poussez-vous! Je suis important! Je suis magicien! J'ai précisé que Humin, du coup, s'est mis en tenue d'acolyte de Guesmé. Petite bible sur le côté. Tenue formelle. Tenue formelle. Goupil, présentement, c'est une sorte de boule, c'est une sphère, en fait, de poils. Tout de suite, avec des pattes qui courent. Il roule. Il roule. Et alors que vous vous réunissez du coup devant l'entrée du conseil à nouveau. Salut. Ouais. J'ai mis aussi vite que possible. Oui, bah au moins t'es à l'heure. Je vais le prestidigitation pour le rendre plus présentable. Tu sens littéralement t'es un vent comme s'il y avait une tempête qui t'arrivait dans les poils. Et alors que tu t'attends à être vraiment tout hérissé, tous tes poils, etc. Juste, non, tout se remet propre. Et tu es propre sur toi ? J'ai craché dans les mains pour me mettre la houppette. Ah, une houppette ? Là, c'est fini. Bah, bien sûr, j'ai une houppette. Attends. Si tu vois Goupil qui mine, qui sort un peigne. Voilà, c'est mieux comme ça. Ah ! J'aimerais vraiment apprendre à faire ce sort un jour, il est hyper utile. Ouais. Ça me permettrait de rester plus longtemps au pieu le matin. Alors que vous arrivez du coup au niveau du capitaine. Voilà. On vous attend dans l'antichambre. Ouvre la porte. Rentrez à l'intérieur de l'antichambre du conseil. Et c'est là-dessus que nous allons finir notre partie pour ce soir. Bien. Ok. Bah merci pour la partie, Zaf. J'avoue, merci bien. Merci beaucoup. C'est très sympa. Et bah hâte d'être lundi prochain 21h pour la suite. Ouais. Ça va, j'ai porté une caisse. Est-ce que je monte de niveau? La caisse n'était pas d'un niveau suffisant. Même niveau que j'ai dormi dans la rue, est-ce que je monte un niveau? J'ai une question, est-ce que mon prochain perso, tu veux que le backstory elle soit prête pour mardi ou pour vendredi du coup? Putain, okay. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, Charatan n'était pas au rendez-vous quoi. Non, c'est une blague. Et du coup, j'ai mis Charatan était là. J'ai eu le mix du doute et de la tête de il bullshit là. Vous voyez Charatan, mais il marche comme un robot et il a une voix de spectre quoi. Je suis Charatan, je vous aime. Non, je pensais plus que c'était en mode je suis Charatan. Non, c'est juste Charatan normalement, mais c'est bizarre. Quand tu passes un bâton, genre au niveau de sa tête, ça passe à travers, genre c'est une illusion. Mais attention, si tu approches trop les armes, elles sont aimantées sur son armure. Et il a un parasol, il n'a pas vu le soleil. Il est tout blanc, mais c'est Charatan, il fait « Oui, bah c'est moi, c'est Charatan !» Tu peux regarder dans le miroir une petite seconde. Je viens de voir, t'avais mute le stream aussi. Oui. Tu es encore mute. Il a dit oui en étant mute. Mais bien non, joué. Fallait pas le mute. Non, là tu t'es remute. Hein? Quoi? Non, t'as juste non t'as si juste c'est bon, non, je suis pas mute du tout. Là-dessus. Que les gens puissent profiter aussi. Oui, bah écoute, il est minuit, j'ai ma journée dans les pattes. Moi j'ai tu vois, c'est ce que je t'avais dit, Zavka. Ah, personne ne saura jamais ce qui s'est passé. Mais moi je trouve ça très bien. Comme ça, en plus, ça nous coupe la tentation d'aller voir sur le stream. Il y a la fin, ceci dit. Il s'est rien passé. Il s'est rien passé. Il s'est absolument rien passé. J'ai rien entendu, il s'est rien passé. Oh, que dalle. Moi, je pense que ça aurait été intéressant pour le... Oui, non, mais je pense aussi, mais voilà, oui. Je suis fatigué. D'accord, t'as juste merdouillé. Oui, non, j'ai juste merdé. Je suis pas habitué, en fait, à être dans la position du joueur. Généralement, moi, je suis le MJ, donc je me mute jamais. Yep. Bon, désolé les viewers. C'est pas grave. Ah, c'est pas grave, ils découvriront en même temps que nous. Oui, ouais. Oui, bah oui. Si, à Sheratan la semaine prochaine, bien sûr, parce qu'après, bon...
Voilà. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ce que j'ai préparé vous a plu. Ouais. En vrai, c'est très cool là, d'avoir de la séance de full RP après les séances de gros fight là, qu'on a eu dernièrement. Ouais. Je trouve que ça fait du bien. Yes. En plus, le RP est bien, quoi. J'espère, voilà. Je suis ravi que ça vous plaise, que ce que j'ai mis en place vous plaise. J'ai encore plein d'autres choses dans Alderheart. Je pense qu'on va y passer encore... Peut-être dans cette ceinture complète. À trauma. À voir si on y passe encore une séance complète ou pas. Bon, à mon avis, on va y passer une séance complète. Là. Ouais, ouais, mon canon, on y passait deux séances même, tu vois. Ouais, je te sens vachement à l'aise sur le fait qu'on va passer qu'une seule séance dans la ville. Ouais, je vois. On la dernière fois, on a quand même passé la moitié d'une séance dans une auberge. Là, on a plusieurs auberges dans la ville. Une autre moitié dans un campement, je crois. Ouais. Ça, tu es optimiste, mon ami. Je peux t'assurer que je vais tirer mes airteam pour faire un petit jeu de dé avec elle. Pour savoir deux, trois petites informations. En vrai, les hashtags, ils sont très durs à avoir au dé, parce qu'en fait, ils vont juste te mentir par omission en permanence. Ah, ouais, mais c'est ça le truc, c'est qu'il y a plein d'infos que moi j'ai aussi. Du coup, je sais quand est-ce qu'ils mentiront. Le truc, c'est... Fais gaffe, je suis le seul à être fier au jeu de dé dans ma famille. Sa seule défense, c'est quoi? C'est parce qu'il parle à vous. C'est ça, sa seule défense. Wow. C'est terrible. J'espère qu'un jour on sera mis dans la boucle de ce merveilleux RP. Ah bah. Bon. On est en train de RP sur le RP, les gars. On est en train de RP sur le RP là, tout de suite. Bon, bah, moi sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à la prochaine. Ouais. Ciao. Des bisous. Tout le monde.